Missionnaire américain a été tué dans la région du Nord-Ouest hier mardi. Il a en fait succombé à ses blessures après que son véhicule a été criblé de balles à Mbambui, près de Bamenda, dans cette région du Nord-Ouest, comme vous le savez, en proie à cette crise anglophone. Cette crise anglophone qui, depuis septembre 2016, ne cesse de nous ramener des pertes en vies humaines. C'est extrêmement grave puisqu'actuellement, le Cameroun est toujours à la traîne dans la résolution de ce que pourrait être cette crise anglophone. Le dialogue est prôné par tous et par chacun, mais le gouvernement reste toujours sourd aux réclamations, aux indications, aux propositions de toutes ces âmes de bonne volonté qui souhaitent que le Cameroun continue dans la paix. Et côté bilan, il faut dire que près de 175 membres des forces de défense et de sécurité ont perdu la vie dans ce conflit et près de 400 civils d'après les ONG. Ces chiffres-là sont des chiffres des ONG qui nous rappellent que cette crise anglophone est une crise davantage meurtrière qu'autre chose au final. Madame, Monsieur, bonjour. Merci infiniment de nous retrouver comme chaque matin sur Equinoxe Télévision. C'est la chaîne qui, au-delà de l'image, vous rencontre, la chaîne qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin, aux côtés des Camerounais qui souffrent, aux côtés des pauvres, aux côtés de ces personnes qui manquent d'eau depuis des semaines et des semaines, des mois et des mois, des années et des années. À Loum, dans le département du Mungo, à qui on passe le bonjour ce matin également. Donc 10-12, le zénith de ce 31 octobre 2018, veille d'une date forte pour le Cameroun, veille du 1er novembre où nous aurons une pensée forte pour Félix Roland Moumier qui est né donc un 1er novembre. Demain on aura l'occasion de revenir plus amplement sur ce héros national. L'équipe est en plateau comme chaque matin. Permettez-moi, madame, monsieur, d'introduire d'abord, le premier d'entre tous, Charles Amel Batchou. Bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Kinegou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Après la passion, l'émotion, place à la réalité. Les barrières jadis ouvertes sont désormais fermées. Les téléphones ouverts qui faisaient sonner d'autres téléphones entre minuit et 6 heures ne passent plus. Tous les concours qu'on avait lancés pour des soi-disant recrutements ne sont pas, les résultats ne sont pas divulgués. Les gens sont aux abois. Les militants de Douala 5e demandent au cadre du RDPC de venir payer. Ils n'ont pas payé, ils ont promis, les téléphones ne passent plus. Ils sont aux abois. Vive les champions. Alors, j'aimerais à votre suite, Charles Amel, faire ici écho de la une de l'œil du Sahel de ce matin qui parle des chantiers routiers arrêtés dans l'extrême nord, la région de l'extrême nord. Ces chantiers lancés pendant la campagne électorale qui ont été arrêtés une fois les résultats proclamés. Bravo, la réalité. Alors, c'est donc le boulanger qui nous roule dans la farine désormais au Cameroun. Madame, monsieur, c'est bien cela. Et on se souvient que l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, ici, était tout à fait dubitatif sur le chiffre stalinien, sur le score stalinien du président Biya dans cette région du Cameroun, l'extrême nord, qui est en proie à toutes les misères, misères au niveau de ce qu'on mange, d'une nutrition qui est inexistante, des infrastructures routières, mais également des besoins sociaux de base, eau et électricité. Donc voilà le Cameroun, voilà ce pour qui on a voté, voilà retour à la réalité. Et on déchante. Retour à la triste réalité parce que pendant la campagne, on a eu l'impression que le Cameroun était devenu un paradis. Mais non, lorsqu'on ouvre les robinets, rien ne coule toujours. Ou même quand ça coule, c'est jaunâtre. Lorsqu'on me saisit son rapport, il y a des lestages. Il y a des lestages. Donc, retour à la réalité. Merci pour le réveil. Difficile et brutal dans ce Cameroun. Également sur le plateau ce matin, Karine Santia. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour,
Eric Faupoussy, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va s'intéresser au cas de la jeune dame Solange Emilian Shea, décédée au Koweït 10 jours seulement après son arrivée. On va aussi parler du communiqué de presse du maire de Loum. Et on va terminer certainement avec la fameuse lettre du président français. Voilà, Karine Sontier, qu'on va retrouver, elle vous l'a dit, dans la revue des réseaux sociaux, mais également dans les commentaires qu'elle fera des différents sujets que nous poserons sur cette émission, sur ce plateau, sur cette table du Zénith. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, permettez-moi d'introduire Boboro Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Faupoussy Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je salue le docteur Eric Essoussé, directeur général des élections Cameroun. Il se félicite d'avoir couvert les 25 000 bureaux de vote. 25 000. Alors que le Conseil constitutionnel dit que dans le Nord-Ouest, il y avait un taux de participation de 5%. Dans 75 bureaux de vote, lui, il a couvert les 25 000. Et il se félicite de l'organisation matérielle qui a fait un saut qualitatif. Merci, monsieur le directeur. Docteur Eric Essoussé, on connaît quel est son CV et c'est pas surprenant qu'il s'auto-glorifie de son bilan à la tête de l'ECAM et surtout de l'organisation matérielle de la présidentielle du 7 octobre dernier. Ça rentre en droite ligne dans la stratégie que nous avons depuis des années au Cameroun, dans cette politique de l'autruche, on va dire séculée, il n'y a rien à voir. Si vous voulez, bouchez-vous le nez, tout va bien, on va tout droit dans le mur. Ça fait des années que tout le monde le sait, mais on fait mine de ne pas en tenir compte. Madame, monsieur, tenons compte d'ailleurs des réalités de cette émission, puisque l'émission en réalité est consacrée à de nombreux sujets, pas seulement politiques, mais également davantage la société nous intéresse évidemment, la culture nous intéresse, et c'est à travers l'histoire du jour que je me permets d'introduire maintenant qu'on va installer cela dans les faits. Bonjour, Tendance Cogné, la voyageuse. Bonjour, Eric Faupoussy. Bonjour aux âmes de bonne volonté, bonjour aux personnes sensibles comme moi. J'ai trouvé une femme au rez-de-chaussée d'Equinox Radio, bref, de l'immeuble Equinox. Elle me dit qu'elle est là-bas depuis 6h30 parce qu'elle m'attendait. J'étais obligée de monter avec elle dans mon bureau. Alors que je vous parle, elle est assise dans mon bureau, elle regarde l'émission. Elle a besoin de vos conseils, vraiment. Faites parler, donc chacun doit faire parler son cœur. Pour ceux qui ont souvent les propos, si vous avez... Elle m'a dit que si elle avait mon Facebook, elle devait passer par Facebook. Mm-hmm. Mon Facebook, c'est Tendance Cogné. Vous me laissez tous vos messages, je réponds. À n'importe qui, même aux aveugles, je réponds. Elle a un problème très grave. C'est pourquoi vous me voyez triste ce matin. J'ai l'habitude de sourire, mais l'histoire de la dame me traumatise en même temps. Vraiment, ça me traumatise. Et son histoire, c'est qu'elle a eu les problèmes avec son époux, père Momo. Le type l'a giflé jusqu'à la dent a sauté. Oui, la dent bouge. Je vais publier les photos sur mon mur, vous allez voir la dent. Ici là. Une gifle ou un coup de poing. Il a donné une gifle. Vous savez que l'homme est fort. Le coup de poing de l'homme perd. S'il donnait un coup de poing, il allait casser toute la mâchoire. Mais il a donné une claque au point où la dent bouge. La dent a même failli sauter. Mais la Bible, sans son Dieu, la dame sautait. La Bible dit que quand on vous gifle à la joue gauche, vous tendez aussi la joue droite. Non, mais pas ça, maman. Au lieu de gifler comme ça, il pouvait me prendre la ceinture, la tape, ça finit. Oui. Au lieu de me donner un coup de poing ou une gifle comme tu as donné à ton épouse, mieux tu me tapes avec la ceinture, je pleure, ça finit, demande les excuses. Son mari l'a giflé, Eric, depuis la semaine passée. Donc ils ont eu les prises de bain comme dans tous les foyers. D'accord. Le gars donnait moi un paire de clap, bam! La dent a bougé. Elle aussi, elle ne pouvait pas supporter. Elle a pris le téléphone, appelé son père. Papa, maman, voici David qui veut me tuer. Voilà, madame. Mais ça, le beau s'est débarqué. Sous le coup de la colère, de ne pas arrêter son mari, la bagarre. Bagarre générale, d'après ce qu'elle m'a expliqué. Bagarre générale, le père a dosé son mari. Que, mais l'enfant de qui? Yéhi, David, tu tapes ma fille, papa. Même avant d'aller en mariage, surtout, elle ne l'avait jamais touché. Que ça prenne peur. Ça fait tout un problème brouhaha la semaine passée au quartier, jusqu'à ce que le chef du quartier est même sorti. Quand le chef du quartier est sorti, on croyait que ça allait finir. On a tout arrangé, le père est rentré, d'après ce que la dame m'a expliqué.
Le mari est resté par là, il dit que maman, si je dors encore avec toi dans cette maison, change mon nom. On ne peut pas avoir les problèmes, tu appelles ton père, vous me mélangez, vous me tapez. Maman, je n'ai même pas besoin d'informer à ma famille. Parce que si j'essaye de dire à ma mère, pour ne pas dire mon père aussi, il y aura mort d'homme. Et comme je me comporte, je me respecte. Vraiment, mamie, ramasse, entre dans la maison, tu ramasses ce qui t'appartient. Même ce qui ne t'appartient pas, tu peux avoir ton père. Je parle bien de la semaine passée. La fille a encore appelé son père, papa. Voilà David qui me demande de, revenir te trouver. Le père dit que passe le téléphone. La fille a passé le téléphone à son époux. Après, il regarde ce téléphone parce qu'elle m'a dit qu'il est... qu'il regarde le zénith matin, midi, soir, même quand il est au bureau. Donc, il regarde Equinox, il connaît tous les programmes d'Equinox. Le beau-père a pris le téléphone, appelé son... Quand la fille, le beau, son père a dit, passe-moi ton époux. Quand elle a donné le téléphone à l'époux, son père a commencé à dire, voyou, maudit soit le jour que ta fille, ma fille t'a connu. Tu crois que je l'ai envoyé en mariage, mettre sa chambre en location? Non. La chambre de ma fille encore là. Je n'ai pas mis l'eau sur son matelas. Son matelas n'est pas mouillé. Papa, si tu ne veux plus d'elle, non. Renvoie-la comme je te dis là. Parce que si elle passe encore nuit chez toi, comme tu as dit que vous n'avez pas vécu dans la même maison, tu vas me voir passer. Ma fille, ramasse vite tes choses, tu le libères. Il se prend pour qui? La fille a ramassé ses choses, partie suivre son père. Sauf que depuis qu'elle est chez eux, chez son père, l'homme n'appelle pas. Elle a un bébé. Elle a un bébé de 8 mois. L'homme n'appelle pas. Cynthia, bébé Cynthia. J'ai m'acheté le rescapé de leur enfant. Cynthia. L'homme n'appelle pas. Il n'est pas même pas dit que ouais, bébé rentre. Donc il ne baratine rien. Elle dit qu'elle a pris le courage d'arriver chez elle hier. Son mari l'a trouvé à la maison. Il dit que ma chérie, si tu ne veux pas que les voisins appellent pour dire que c'est un cadavre ici, tu libères. C'est où il est entré dans la maison chercher la machette. Que ici là, elle dit que quand elle a vu la machette, elle fuit. Et en fuyant, elle disait qu'il n'y a que Equinox qui peut résoudre absolument mes problèmes. Donc son mari est devenu le caméléon. Elle dit qu'elle ne le connaît plus. Que même avec l'enfant, elle a dit que papa, voilà ton héritier que tu as demandé. Et je lui ai dit que comme je ferme mes yeux là, au moment de les ouvrir, que tu as libéré. Elle a donc libéré, parti voir son père. Son père dit que je t'ai dit de ne plus jamais mettre tes pieds chez ce voyou. Chez ce voyou. Que son père a insulté son mari, que ma fille a eu le bac. Donc tu ne faisais pas partie de ces hommes. Pauvre quincaillé. Quincaillé, c'est les gens qui vendent dans la quincaillé. Pauvre quincaillé. Le niveau de ma fille ne me permettait même pas d'être avec toi. Si ma fille m'a encore ses pieds, chez toi, change mon nom. Donc, la fille, elle a envie de rentrer dans son foyer. Monsieur est devenu le caméléon. Et le père de son côté dit, ne rentre pas. Pourtant, elle aime son mari. Elle me dit qu'elle regrette, que si elle n'appelait pas son père. D'une pensée, elle dit que non. Elle a appelé son père parce que la douleur était insupportable. Que la dent, la main. Je vais vous montrer la photo, Eric. Ici, là, la mâchoire, si. Donc, on rentre. C'est parti, non, on rentre. Mais est-ce que son père ne l'a pas amené à l'hôpital? Son père l'a amené à l'hôpital, mais ça fait encore mal. La manière que le type a jupé, tu sens que. C'est comme si c'était son ami homme. C'était. Donc, monsieur a boxé comme c'était son ami homme. La Bible a plein de. Pourquoi taper même d'abord la femme avec les mains? Prends la ceinture pour les tapeurs. C'est arrivé. Ah bon? Oui, pour ceux qui tapent. Parce que moi, là, on ne me tape pas. C'est le boxeur qui me tape avant. Tu me tapes, je rampe. Et puis, mon bourré là. Le parquet est là pour ça. Non, on me tape, il vient t'appeler. Oui. Il est encore fort. Moi, mon gars, connaît. Lui, il sait que mon beau-fils sait qu'il ne peut pas. Il sait qu'il ne peut même pas. Il essaye. Mais c'est Yaoundé qui va l'interpeller. Eric, j'ai la fin de faire. D'accord. Je suis même plus avec toi. Non, mais je te laisse parler avec mon boc. Non, vas-y, mon père. Je souhaite éventrer. Donc, elle aime encore son mari. Eric, elle veut rentrer dans son foyer. Monsieur est devenu le caméléon. Et son père de son côté dit que ne retourne pas dans ce foyer. Vraiment, aidez-la. Financièrement et moralement, pourquoi pas? Donc, vous comprenez, madame, monsieur, qu'on va parler, on va traiter ce matin de violence conjugale. Vous savez qu'il y a 4 types de violences conjugales, les violences verbales, psychologiques, sexuelles. Mais nous parlerons davantage des violences physiques, puisqu'il s'agit ce matin dans l'histoire de violences conjugales physiques. Et donc, on va en parler, puisqu'au Cameroun, on a près de 70% de la population qui se plaint de violences conjugales physiques. Ça, ce sont les chiffres de 2011
de l'Institut national de la statistique, 70% de la population camerounaise. Ça, c'est extrêmement grave. En couple, bien sûr. Ça, c'est extrêmement grave. Pour dire que c'est un phénomène, on va essayer de comprendre ce phénomène, de comprendre comment on en arrive là pour que ça déborde. Mais il faut dire pas camerounaise en la matière est dans l'entre-deux. J'ai de la peine d'ailleurs à vraiment fixer le cap, puisque dans la loi, on met beaucoup plus en avant les violences conjugales physiques qui concernent les femmes enceintes. Vous allez dire cuit donc de la femme normalement, et c'est où il y a un flou et pourquoi de plus en plus on voit des hommes s'en tirer aussi facilement au Cameroun lorsqu'ils sont pris dans cette configuration, ce qui n'est pas le cas dans des pays comme la France, ou lorsque vous êtes pris sur le fait de violence conjugale, vous êtes directement interpellé et mis en garde à vue, et ensuite on vous condamne pour cette infraction précise. Donc au Cameroun, pour le coup, on a encore des pesanteurs qui empêchent clairement de lutter contre ces violences conjugales. Peut-être parce que au Cameroun, les conséquences ne sont pas autant visibles qu'en France, puisqu'en France, on parle quand même de nombre assez conséquent de femmes qui meurent par an suite aux violences conjugales. La vie serait-elle beaucoup plus difficile dans ce pays-là qu'au Cameroun? Quel est le pays où il y a le plus de violents? La question, on pourra se la poser ce matin. Alors, dans l'histoire de ce matin, on a une femme qui, donc, l'a dit tendance, s'est révélée et est allée se plaindre auprès de son géniteur, de son papa, qui lui a pris des mesures conservatoires en la matière. Le sang a coulé. Voilà. Le sang a coulé, Eric. Alors, Bombok, dans l'histoire de ce matin, qui a tort et qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est le beau-père qui a tort. Merci. Il a tort. Premièrement, il n'a pas envoyé sa fille en mariage, il n'a pas donné sa fille en mariage. Quand on donne ta fille, votre fille en mariage, M. Fokosi, vous n'allez pas remettre, faudra jamais remettre la main de votre fille au garçon qui viendra l'épouser. C'est au chef de famille. Mm-hmm. En lui disant, parce qu'il y a des paroles sacrées, si quelqu'un, ma fille, c'est à vous que je vais m'adresser. S'il arrive que ce beau-père meure avant, pendant l'entretien, vous dites, c'est lui qui était venu épouser ma fille. Maintenant qu'il est parti, dites-moi, qui va parler en son nom? Ma fille qui est là avec mes petits-enfants, je vais m'adresser à qui? Vous avez cette succession d'événements, se faisait, quel que soit le malheur qui pouvait advenir. Donc vous avez toujours un interlocuteur. Donc, ici, comme c'est lui le père biologique, il s'est cru le devoir d'intervenir et tout. Donc, il a tort sur toute la ligne. Deuxième chose, il arrive qu'il y ait des dissensions internes entre deux frères, entre deux sœurs, entre mari, c'est récurrent. Entre mari et femme. Entre mari et femme, c'est récurrent. Et qu'une gifle passe. Et c'est lorsqu'une gifle passe. Mais est-ce que c'est pas un acte de faiblesse, ça? Non. Ne pas savoir se contrôler et se laisser aller par son instinct, ça veut dire à un moment donné, quand même, on est un homme, on doit montrer sa force ailleurs que dans une réaction épidermique. Enfin, je pose une question, hein, je ne suis pas dans une forme de prise de position. Je vais vous prendre trois exemples que vous connaissez très bien. Oui. Vous venez de prendre la France. Vous avez vu toute la littérature, tous les reportages qui ont été faits autour de Dominique Strauss-Kahn. Absolument. Voilà. L'année dernière également, il semble qu'il y avait une journée en France, les violences faites aux femmes. Mmh. Et oui, lutte contre les violences. Et le mois de novembre qui commence demain, je pense le 27 novembre généralement, qu'il y a cette journée internationale. Vous qui êtes donc bien fort dans les statistiques, il faudra voir que là-bas, les mêmes problèmes se posent. La femme est bastonnée par son mari, mais elle ne dit rien. Pendant les violences, on a enregistré, je pense en 2017, plus de 500 femmes. Il y a même eu des décès. Mmh. Dernier cas, c'est parce que ça vous concerne particulièrement, comme dit Tandane, vous avez fait l'école. Voilà, nous qui n'avons pas eu. Mais on m'a raconté l'histoire dans le livre de Jean-Paul Sartre, Les Mains Sales. Bon, il a dit, Hugo Barine trouve son maître politique sur sa femme, il tire sur lui. Il dit, je ne l'ai pas tiré parce qu'il sautait sur ma femme. Donc, il y a des situations qu'on ne programme pas.
Vous venez à la maison, vous êtes dans une situation, je ne sais pas, vous voulez chercher un document. Madame, il commence à... dis donc, quitte-moi là. Ça passe. Mais vous allez contrôler comment? Donc, il y a des situations comme ça où l'enfant est malade, où maintenant c'est la période de pension scolaire, bientôt, ce sera doublé aux frais d'examen. Bon, madame, comment dit, mais madame, taisez-vous. On estime que c'est une preuve de faiblesse. Non, c'est pas. On estime que. Voilà, ça veut donc dire que cette faiblesse-là existe. Donc, on doit l'intégrer dans le fonctionnement normal du couple. Mm-hmm. Donc, moi, je ne considère pas cet homme comme violent. Mais il a été humilié par son beau-père, qui, au lieu de venir dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord. Maintenant, tu penses, tu ne sais pas qu'en le faisant, ta femme aurait pu trouver la mort et amener son beau-fils dans une situation de honte. En fait, c'est ça le problème. Même c'est ça même qui bloque le divorce chez nous. Parce que pour séparer le couple, il faut qu'ils soient dans une situation de honte. Qu'ils aient honte d'avoir commis un certain nombre. Or, c'est ce que nous ne voulons pas comprendre dans les relations de couple, surtout entre hommes et femmes. Voilà la situation. Voilà. Maintenant, j'ai donc trouvé que, puisqu'il n'a pas mis son beau-fils dans une situation de honte, pour comprendre que son beau-fils pourrait demander des excuses et à son épouse et à lui, le beau-père, il n'a donc pas jugé, il n'a pas calculé le sentiment de sa fille envers son époux. Mais, ça se termine en disant, l'homme qui va te tuer peut te tuer le lendemain, toi tu l'aimes toujours. Donc ça veut dire qu'on n'a pas su régler le conflit qui existe. Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'histoire de ce matin, l'histoire qui nous est soumise ce matin, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité pour nous autres sur ce plateau d'étudier la question précise de la normalité pour un homme ou pas de battre sa femme? Non, c'est condamnable. Nous-mêmes en Afrique, on est authentique, on ne tape pas sur les femmes. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils ont le droit. Qu'est-ce qu'ils estiment que c'est un droit? Non, c'est la femme qui amène à être bastonnée. Nous, dame de vie, au départ, il n'est pas question de la soeur. Parce qu'on lui donne, c'est elle qui a la maison. Comment vous pouvez taper sur votre comptable matière? Puisque même vos sous-vêtements, c'est elle qui les compte. Vous le tapez comment? Donc ça n'entre pas. Mais une gifle peut arriver. Et sur quand vous dites, mais madame, tu ne comprends pas que, comment cette situation, toi, tu m'amènes là des trucs. Bon, la colère arrive à un niveau où gifle passe, c'est tout. Mais on condamne les violences physiques. Nous les condamnons, mais ça peut arriver. Et comment on les gère? D'accord. On les gère donc en regardant le cœur de la femme. Ok. D'accord. Alors, Karine Santia, je m'adresse à vous pour la suite. Que pensez-vous de l'histoire de ce matin? Par rapport à l'histoire de ce matin, je vais dire d'abord que le mari de cette dame, il est quelqu'un d'assez irresponsable, qui préfère commettre un acte avant de regretter plus tard. Vous avez en face de vous votre femme qui a un bébé. Est-ce que dans n'importe quelle situation, quand il y a un bébé, on parvient quand même à calmer ses nerfs? L'homme, c'est la personne dans le couple qui a le moins de tension possible. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme, peu importe où il a eu son problème, il rentre à la maison avec. Maintenant, vous avez une discussion avec votre femme et vous la giflez de manière à ce qu'elle perde une dent. Alors maintenant, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on va dire, elle a perdu une dent. Est-ce que c'est remplaçable? Oui, peut-être avec de l'or, mais est-ce que ça suffit pour nettoyer l'affront que vous avez commis envers cette femme? C'est votre femme, ce n'est pas votre chienne, ce n'est pas votre animal de compagnie que vous pouvez battre à n'importe quel moment. Maintenant, on va dire que c'est peut-être sa première fois et tout, mais il y a une première fois à tout. Les alcooliques, ils ont commencé à boire une bouteille avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'on va se... c'est vrai que battre sur une femme, c'est quand même un affront. On ne va pas dire qu'il a battu, comme certaines personnes le disent, mais il a quand même fait quelque chose d'assez anormal. Maintenant, quitte à ce que la femme fasse appel à son père et qu'il réagisse comme ça, je vais dire que c'est un papa lui-même qui n'a pas préparé sa fille à ce couple-là, à ce genre de mariage-là. Parce que peut-être c'est la manière avec laquelle elle a appelé son papa. Peut-être elle était très alarmante et elle a aggravé la situation en parlant que son papa a réagi de cette manière. Maintenant, un père qui vient dans le couple de sa fille entamer une bagarre, ça veut dire que quelque part, lui aussi,
Je me dis qu'il était préparé à ça psychologiquement, qu'un jour cette fille va venir avec cette situation et voilà comment je vais réagir. Donc, on a affaire à des personnes très impulsives, que ce soit le mari, que ce soit le papa. Charles. Monsieur Eric Fopoussi, je commencerai par multiplier ce que Karine Santia dit par zéro. Pourquoi? Zéro fois un milliard fait zéro. C'est l'homme qui a le plus de tension dans une maison, monsieur Eric Fopoussi. C'est l'homme qui pense à sa femme. C'est l'homme qui pense à la sécurité de sa femme, de sa famille. C'est l'homme qui pense au loyer. C'est l'homme qui pense à la gestion générale de la famille. C'est l'homme qui pense à son travail. C'est l'homme qui affronte tous les obstacles. Parce que les problèmes de la femme s'arrêtent le jour où elle se marie et ceux de l'homme commencent. Le gaz est fini, j'attends mon mari. On veut couper même le poteau de sonnette. Pardon, attendez mon mari. On l'engueule, attendez mon mari. C'est l'homme qui rentre, qui subit tout. Monsieur Eric Fopoussi, la femme a cette faculté, et c'est la raison pour laquelle on la met à nos côtés. Elle a cette faculté, ou si vous voulez, elle est le thermomètre du foyer. Ça veut dire, comme Bombok l'a dit, lorsque l'homme rentre avec une certaine démarche, elle sait que le type s'est étendu, mieux je l'évite. Lorsque le gars rentre avec un certain sourire, elle dit que, hey, qu'est-ce qu'il a amené? Elle sait comment il peut entrer. La femme est très maligne, monsieur Ricopoussi, et elle connaît son nom. Mais comme la femme est passée maître dans l'art des attaques, c'est-à-dire lorsque vous restez une semaine sans problème, elle n'est pas tranquille. Je vous assure, monsieur Ripopoussi, vous passez une semaine avec une femme sans problème, la femme va commencer, elle n'est pas tranquille. Elle veut toujours piquer. Piquer. Et elle vous connaît mieux que vous. Elle sait que si elle attaque ici, vous allez réagir comme ça. Elle sait que si elle lance telle frappe, vous allez aboyer. Donc elle connaît. Elle a les commandes de votre ordinateur, monsieur le Fopoussi. Donc, elle sait que si elle appuie sur Y, il va réagir comme ça. Et toutes les femmes le savent. Donnez une bière à une femme le soir. Le matin, vous allez payer la greffe. Que vous le vouliez ou non, elle va dire, vous avez l'argent. Je dis, offrez-lui une bière de toute votre bonne volonté. Le matin, vous allez payer la greffe. Elle va dire, si tu m'as donné une bière hier, toi qui es dur comme quoi, c'est que tu as l'argent, je veux la greffe. Vous blaguez, monsieur Eric Fopoussi. Vous ne connaissez pas. Voyez les rires de maman pour comprendre ce que je vous dis. Monsieur Eric Fopoussi, je salue ce père Cassius Clay. Parce qu'on a trop de père Cassius Clay. Van Basten, je ne sais pas si vous avez connu père Van Basten. Ce dont le passé rattrape toujours. Moi, je m'attends, je me pose une question. Depuis qu'on raconte cette histoire, moi, ça ne m'intéresse pas, monsieur Eric Fopoussi. Je vous assure. Vous savez pourquoi? Parce que depuis, on n'a pas parlé de la maman. La maman. Donc, monsieur Eric Fopoussi, cette femme est une opprimée. La femme de ce monsieur est une opprimée. Elle n'ouvre pas la bouche. Elle, même si elle vit, elle n'ouvre pas la bouche, monsieur Eric Fopoussi. Elle n'ouvre pas la bouche. On en fait. Elle qu'elle ne vit pas. Non, monsieur Eric Fopoussi. Monsieur Eric Fopoussi. Oui. Même si elle ne vit pas, il y a une maman de substitution. Absolument. Il y a une maman de substitution. Absolument. Monsieur Eric Fopoussi. Monsieur Eric Fopoussi. C'est un cas. Je dis, oui, il y a toujours une maman de substitution. Ne vous demandez pas. D'accord. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Lorsqu'une femme vient à décéder, et que 6 mois après, vous voyez une autre maman qui commence à entrer à la maison, attention, ne dis pas qu'il vient de la rencontrer, elle était là depuis. Hein. Elle était là depuis. Mais elle n'apparaissait pas. Donc, je vous dis, monsieur Eric Fopoussi, qu'il aura envoyé cette maman pour dire, va essayer de voir ce problème. Troisième chose, monsieur Eric Fopoussi, il n'a pas enlevé la dent. Elle avait une dent malade. Et j'aimerais bien rencontrer ce dentiste qui a émis ce rapport, ces conclusions qu'on a arraché la dent. Elle avait une dent malade. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement, monsieur Eric Fopoussi, que regardez la poignée de main. C'est la poignée de main, la gifle. Ce n'est pas un coup de poing. C'est la pression du coup de poing qui peut faire bouger la dent. Parce que le coup a été donné avec une certaine violence. Mais la gifle fait basculer, monsieur Eric Fopoussi. Donc, si elle a eu des problèmes de dents, si elle a eu un problème, c'est-à-dire qu'elle avait une dent déjà malade et qui bougeait, la gifle n'est venue. La gifle n'est venue que concrétiser cette dent. Parce que même le dentiste qui cherche à enlever une dent, même le dentiste, monsieur Eric Fopoussi, a des problèmes pour arracher une dent. Même le dentiste, avec toutes les pinces, il a des problèmes. Donc, je pense, monsieur Eric Fopoussi, que dans cette affaire, le passé du père l'a rattrapé.
le père face à son propre passé. Parce qu'un père qui réagit comme cela, c'est un père qui l'a fait dans sa jeunesse. D'accord. C'est un père qui a vécu comme ça. Aujourd'hui, ça le rattrape. Mmh. Il devra assumer. Et je suis derrière ce monsieur. Cette femme n'entre plus dans ce foyer parce que à chaque fois que vous allez vouloir gronder, son père viendra vous gronder deux fois. Donc, pour éviter que ce soit le père qui vient commander votre foyer, laissez-la se faire. Et puis, il y a une chose qui m'a personnellement marqué dans l'histoire de ce matin, c'est ce papa qui estime qu'il n'a jamais posé la main sur sa fille. Mais comment on réussit à faire ça dans une éducation pour un enfant? Et puis même, il faut que cette fille a eu tort, parce que lorsqu'elle est rentrée dans une autre famille, elle devait appeler le père de son nouveau père. Elle aurait appelé sa nouvelle famille, les parents de sa nouvelle famille. Absolument. Elle aurait pu à rappeler son père. Mmh. Donc c'est quand même regrettable qu'on en soit là. Alors, tendance. Mais le sang a coulé, Eric. Le sang, c'est pas l'eau. Mm-hmm. Le sang a coulé. Ça pouvait, comme ça a pris la dent, ça pouvait être l'œil. On ne vend pas l'œil au marché. On ne vend pas. On remplace, mais tu ne vois plus, on met que l'œil du chat. Oui, mais quelquefois, le sang, c'est le bonheur. Hein. Non, que le mari. Quand une femme accouche, le sang coule. Que le après, mais pas que c'est mon mari qui me dit. La dent qu'on a arrachée. La dent, elle est revenue, non? Elle revient parce qu'on a réagi, tous ont réagi sous le coup de la colère. Si moi qui l'a trouvé mieux ailleurs, qui n'a qu'à la libérer simplement. Conclusion facile. Non, s'il l'a trouvé mieux ailleurs, il libère la. C'est elle-même qui est sortie. Il son père est venu là. Son père est venu intervenir. Ce n'est que normal. Est-ce que c'est un frère qui est venu intervenir? C'est son papa. Son père est venu en tant que père, que mon fils. Comme je te rends là, je te rends aussi comme tu es mon fils. Maintenant, lui, il lime la machette, il met de côté. Il n'a pas eu pitié de l'enfant que j'ai en main. Et quel nom qu'on va d'animer la bonne. Le bonheur qu'il y a, c'est qu'il n'ait pas réagi en donnant des coups de poing à son beau-père. Non, il n'a pas. Non, je dis, c'est ça, je dis, c'est là le bonheur. Et je comprends pourquoi mon beau-père a dit que ce monsieur n'est pas violent. Il n'est pas violent. Non. Parce que, en tant que là, il aurait été le premier à demander à son beau-père, tu veux faire quoi ici? Tu savais, tu veux faire quoi ici? Moi, parce que il faut lire la salade. Il faut lire la salade. Si c'était vous, j'avais. Oui, mais monsieur, on se défend. On se défend. Ce gars n'est pas violent. Je suis ton épouse. Il s'agit de la mère de l'enfant, la femme de ta vie. Je ne suis pas une pute que tu as ramassée dans la rue. Tout à fait. Et le pauvre aussi a raison de voir le sang de sa fille couler. Comment? Personne ne veut voir son enfant. Dit que c'est la femme là qui a attaqué ton enfant. Personne ne veut voir son enfant souffrir. Vous connaissez. Qui considère que le père réagit sous le coup de la colère, que tout le monde a faussé, terminé, récupéré sa femme, il met à la maison. S'il n'avait pas le nombre de vues dehors, pourquoi refouler la femme et refuser madame avec l'enfant en main? Tu as le nombre de vues dehors, madame. Dis-lui que chérie, elle ne veut plus de toi, ses parents. Non, mais c'est pour ça qu'il a dit. Est-ce que tu vas débarquer de la machette? Ah, il va pas vouloir grandir. Il va venir la taper. La fille va dire tant encore, mon père va venir. Mm-hmm. C'est ça, désormais, ça tente encore. Mon père non, mais je peux vous dire que. Il faut que les hommes arrêtent de nous faire le chantage. Dans ce type de couple, cet homme n'a plus d'autorité. C'est fini. Voilà, il n'a plus d'autorité. C'est le chantage qu'il veut faire à cet homme n'a plus d'autorité. Vous savez dire que désormais, il va aller chercher l'autorisation à son beau-père pour venir gronder pour gronder sa femme. Ou bien pour savoir que l'enfant n'est pas né de la une décision importante. Pour commander même la nourriture. Il doit savoir que la fille n'est pas née de la dernière pluie et qu'elle a un papa qui est encore fort, qui peut aussi dépendre pour elle. Il y a dans le foyer certaines femmes qui ne parlent pas. Pas parce qu'elle peut donc pas chaque fille doit maintenant avoir un bessal. Non, même voilà, pas ça. Ce qui est énervant, c'est le goût de sang et la dent qui a sauté. Maintenant, toi l'homme, quand tu prends ta décision comme ça, ça veut dire que tu avais les choses avant. Et comme tu as les choses avant, pour couper court, tu commences à tirailler, à tirer, chercher le faux problème où il ne faut pas. C'est normal qu'il vienne intervenir pour sa fille. Oui, mais maintenant, la fille, elle a le cœur qui souffre. Et qu'elle est, elle a mal. Maintenant, il faut que les hommes arrêtent ça. Quand les filles partent en mariage, là, certaines, si on met par un charme en location, on vous connaît. Parce que vous venez souvent que le chantage, que j'étais épousée, non, moi qui pouvais être épousée. Non. Si on ne se marie pas, on ne doit pas vous dire. Étant marié, on doit être à l'abri des filles. J'ai déjà bu, je ne peux plus. Quand tu es dans un foyer, tu dois avoir le sourire. Tu dois être belle tous les jours. Pas qu'on va te voir avec la mâchoire déformée, qu'un homme a donné un coup de poing, qu'il a donné une gifle. Non. Comment? Tu dois être belle. Non. Les gens doivent sentir que la fille, c'est dans un foyer. Elle vit bien, elle mange bien, son mari s'occupe d'elle.
Pas qu'un homme, tu vas, un homme va te gifler, tu appelles ton père, il fait de ses problèmes d'État. Tu ne respectes pas. Si ton père allait donner un coup de poing, il mourrait. Lui-même, si Ahmed t'apprend que je mourrais, c'est lui qui paie. Mon enfant allait perdre. Je n'avais pas têté mon enfant avant de mourir. Mais pourquoi elle n'a pas appelé le père de son mari? Voilà. Ça dépend de la clarté, de la douleur. Le premier numéro qui est venu de sa tête, c'était le numéro de son père. Et ce n'est que normal. Il y a quelqu'un qui a pris l'engagement de son père. Est-ce qu'elle a appelé les boys? Non, est-ce qu'elle a appelé le renfort? On appelle le père du mari. Ce n'est pas le renfort, les boys qu'elle a appelé. Pas le contraire. Tant tu veux nuire à un homme, tu descends au ghetto, tu appelles les boys. Tu descends à Dakar. Non, c'est que là, le mariage est fini. Tu pars en Gonsoi. Tu pars en Commando. Tu dis que gars, venez. J'ai un homme à la maison. Oui, qu'on a besoin de moi. Moi, je vais vous dire. Non, je ne peux pas laisser passer ça sur ce. On n'est pas là pour. Je vais vous dire que. On ne compte pas le nombre de bagarres qu'on a livrées avec sa partenaire. Vous n'êtes même pas marié. Moi-même qui vous parle ici, là, je ne compte pas le nombre de bagarres. Je n'ai pas la télé. Le nombre de bagarres. Tiens, mais je ne vous compte pas. Prenons le cas de la Ouriraj. Que s'est-il passé entre Bill Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky et son épouse? Et Hillary a divorcé quand? Voilà. On va prendre quelques. On va lire quelques messages sur la page Facebook de l'émission, puisque vous le savez, depuis lundi passé, on vous demande de réagir uniquement sur la page 10-12 le Zénith. Et merci infiniment à vous de nous envoyer vos réactions. Alors, Karine Santia, on fait appel à vous pour cela. Commentaires qui arrivent sur notre page Facebook, 10-12 le Zénith, de Ousmanou Fepet. Pour l'histoire du jour, le père a tort sur toute la ligne. Mohamedou Zoubeyrou, honnêtement, s'il arrive qu'un homme frappe sa femme enceinte, elle n'est pas enceinte cette femme-là. Ce qu'il est dépassé, surtout encore fille à papa, tout à fait logique. Denise Polom, toute violence physique ou morale est proscrite par la loi. Les femmes peuvent subir certaines violences physiques du fait de leur caractère inacceptable. À des moments, les femmes qui ne retiennent pas leur bouche. Le Bantou ne supporte pas l'affront de la gente féminine. Que les femmes contrôlent leurs émotions et leur bouche, car elles sont patronnes de leur foyer. Par contre, le beau-père a totalement tort. Il est irresponsable comme son fils, comme son beau-fils. Toute réaction de l'homme prend son essence chez la femme. C'est un message de Brahim Moussa Hissène. Un autre message de Karine Flore Yombi Takedjio. Ostodi par rapport à l'histoire du jour. C'est vrai, on ne doit pas battre sur la femme, mais il y a des femmes qui méritent, qui poussent l'homme à battre sur elles tellement elles sont cyniques. C'est à la femme de savoir comment gérer son homme pour qu'il ne soit pas à bout. Parfois, vous avez même des problèmes avec une femme. Elle commence à aboyer. Vous dites, ok, pas de problème, je sors. Lorsque vous voulez sortir, elle a déjà grippé. Elle s'agrippe comme un mamba avec vos habits. Elle commence à déchirer. Vous dites qu'en gros, là, ça va. Déchirer, je sors quand même. Elle s'agrippe souvent avec les dames. Donc, franchement, c'est bon. C'est qu'elle fait la balade. C'est qu'elle fait la balade. Charlavel, d'accord. C'est un beau témoignage quand même. Voilà. Madame, monsieur, merci infiniment à vous. Après ce fou rire, on va changer notre humeur pour une colère qui vaut son pesant d'or. Je m'interroge ce jour sur la question de la fête de l'agriculture. Je m'interroge ce jour sur la question de la fête des récoltes. Qui se souvient encore de ces expressions? La fête des récoltes. C'est vrai que c'est un terme aujourd'hui emprunté par l'Église, mais c'était un terme bien connu chez les Bantous. Souvenez-vous encore de l'expression « comice agro-pastorale » dans ce pays. Oh mon Dieu! Quel est le plan du gouvernement pour le paysan?
Qu'est-ce qui puisse expliquer l'actuel dégoût que le gouvernement a du commerce agropastoral dans ce pays? Que nous sert même? À quoi nous sert le ministère de l'Agriculture? Des poches de dépenses inutiles et pour rien. Comment comprendre que le commerce agropastoral soit devenu à ce jour un événement métaphysique, voire mystique dans ce pays? Peut-on dire que même mystique, l'organisation du commerce agropastoral obéit au principe de booster l'agriculture, intensifier la production agricole du pays, promouvoir l'autosuffisance alimentaire et enfin stimuler les agriculteurs à plus d'ardeur au travail, comme contenu dans ses missions prescrites par le président Ahidjo en 1973 à Boya. Savez-vous qu'en dehors de l'argent, les producteurs, lorsqu'il fallait récompenser lors de cette fête de l'agriculture, lorsqu'il fallait récompenser les producteurs, ils recevaient pendant les comices, sous l'air à Ahidjo, des primes exceptionnelles, à l'instar des voitures, pas n'importe quel type de voiture. Vous avez connu la Niva? La Niva, c'était les premières 4x4. À l'instar, ils recevaient des médailles et posaient avec les plus grandes autorités du pays, dont le président de la République. Ceux qui ont encore les images de 1973 se souviennent que devant chaque stand, Ahidjo exigeait qu'on le filme avec le producteur, qu'il rentre avec une photo de lui chez lui avant de faire la photo de famille. Savez-vous que du premier comice agropastoral sont nées plusieurs structures d'encadrement des paysans sous l'air Ahidjo, la Semri, la Soderim, l'Upenoun Valley Development, la Sodeblé et la Sodecoton. Savez-vous qu'après ces structures sont nées les missions de développement pour répondre à des besoins immédiats dans les domaines où l'État n'avait pas jugé utile de créer une société de développement? On a eu la mission de développement des cultures vivrières et maraîchères, MIDEVIV, le Fonds national du développement rural, FONADER, la Banque camerounaise de développement, BCD, le Crédit agricole du Cameroun, CAC. Voilà les structures qu'on a mises en place pour accompagner le président, les paysans. Le Cameroun était autosuffisant, en quoi appeler le grenier de la sous-région. Comment comprendre que le gouvernement s'est donné des comices agropastoraux, s'est détourné des comices agropastoraux, alors qu'il est un stimulus pour les agriculteurs à plus d'ardeur au travail? Une occasion idoine d'intéresser les citoyens, les hommes d'affaires, mais aussi les bailleurs de fonds à l'agriculture. Savez-vous que l'abandon du comice agropastoral a entraîné un manque de suivi et d'évaluation des performances du secteur agropastoral? Savez-vous que l'organisation des comices était une occasion pour doter, une occasion pour l'État de doter les régions et les villes bénéficiaires de son organisation de véritables infrastructures? Grâce aux comices de 1973 à Boya, 1974 en Gaoundéré, 1981 à Bertois, 1984 à Bamenda, 1988 à Maroua, ces villes se sont vues dotées de nouvelles routes, des immeubles, des hôtels et j'en passe. Lorsqu'on disait commis agropastoral, c'était le développement en marche. On devait ouvrir les pistes parce que le président Ahidjo allait jusque dans les champs. Lorsqu'on présentait les ignames au Lombra, à Bamenda, il dit « Je vais entrer dans le champ de ce planteur, voir. » C'est ça, booster l'agriculture. Savez-vous que grâce au comice, le village du comice, doté de toutes les commodités, devenait par la suite un centre commercial qui fera bien des années plus tard la fierté de la ville ou de la région? Pourquoi est-ce que le président Paul Biya et ses ministres ont tué ce principal moteur de développement susceptible d'attirer les investisseurs? Après 2010, nous sommes en 2018. 8 ans se sont écoulés. De quoi vit l'agriculteur? Savez-vous que le rôle des comices visait pour le Cameroun à rapidement atteindre l'autosuffisance alimentaire? Hein? Vivre dans le passé. L'agriculture au Cameroun, on se rend bien compte que c'est un secteur qui ne bénéficie pas des politiques adéquates, malgré le rendement médiatique
et les discours qui sont tout à fait volontaristes, mais dans la traduction des faits, des paroles à l'acte, on se rend compte qu'il y a un gros, gros fossé, un fossé qui se traduit lorsqu'on voit que depuis 8 ans dans ce pays, on n'a pas pensé au prochain comice agro-pastoral. D'ailleurs, celui de 2010 était arrivé après près de plusieurs décennies sans comice dans ce pays. Et ce comice-là de 2010 avait été organisé, souvenez-vous, avec une précipitation notoire, puisque l'hôtel du comice agro-pastoral n'a été inauguré qu'il y a quelques mois seulement. Et on pense aussi à ces personnes qui espéraient qu'au sortir de cette grande messe de notre secteur agricole au Cameroun, qu'on puisse mettre en branle tout ce qu'on avait prévu de faire. D'ailleurs, l'usine de tracteurs et de tout ce qui avait été sorti de ce comice agro-pastoral reste un vœu pieux, puisque ces tracteurs-là sont aujourd'hui dans la broussaille, dans ce qu'on pourrait appeler un manquement tout à fait affligeant. Mais bon, Bengen, on en vient à se demander comment on débouche sur une situation comme celle-là. Non, parce que le président actuel a fait l'amalgame, c'est-à-dire la crise interne au sein de l'appareil l'a amené à prendre des mesures qui n'étaient pas conséquentes. Qu'est-ce qu'il y avait comme crise interne? Parce qu'il faut remonter peut-être un peu en avant, en 1975, lorsque chargé par Aïdjo Sûrement, ici au congrès de l'UNC à Douala, en février 1975, Paul Biya apporte une proposition de résolution du congrès faisant le fait que le président de la République ne pouvait plus être président du parti. Il a eu deux contradicteurs. On l'appelait le chancelier de l'université de Yaoundé qui s'appelait Mbela Mbappé et le président de l'organisation des femmes de l'UNC qui était Delphine Tchanga. Les deux ont dit que non, tout le monde était l'intelligentsia et tout le monde était derrière leur guide éclairé. Qui était à l'époque Aïdjo. Aïdjo, leur guide éclairé. Maintenant, oh, ça a l'air de mal en pire. Pourquoi Aïdjo le nomme premier ministre 4 mois après 75. En 75. Mais, curieusement, il n'est pas membre du comité central. Il n'est pas membre du bureau politique. La même chose se fait en 80 à Bafoussam. Mais un peu avant, la crise, c'est parce que au sein de 79, il y a cette modification. Oui, il y a 79, on modifie la constitution, voilà, pour faire du premier ministre le successeur constitutionnel. Bon, ceux qui savaient lire savaient qu'il y avait une crise. D'abord, en période de parti unique, comment un secrétaire général de la présidence de la République peut venir avec une telle résolution au Congrès? Mais on lui fait des promotions. Ça veut dire qu'en fait, pour dire quoi? Pour dire que la cellule africaine de l'Élysée était à la manœuvre et tout. Jacques Foucault. Voilà. En 1980, donc, quand Aïdjo lance la rigueur et la moralisation au Congrès, dit de la maîtrise, de l'économie. Ah, pas faux ça. Voilà. Deux ans après 82, on doit fêter le 10e anniversaire de l'État unitaire. C'est-à-dire 72-82. Sauf que aucun invité ne vient à Yaoundé. Personne ne vient. Même l'ami personnel du président Aïdjo, qui était le président de la Mauritanie, Mohamed Oul Taya, il ne vient pas. Omar Bongo, nous dit-on, est arrivé à Yaoundé, mais étant au courant que personne n'est venu, il est rentré. Mais le 21 juin 82, Tandem Mouna conduit une délégation au palais pour dire à Aïdjo non, et il faut se représenter, il ne faut pas partir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un problème. Il y a donc une crise qui fait que les deux ne s'entendent pas. Quand arrive enfin la démission d'Aïdjo, il lui laisse quand même une feuille de route. La feuille de route, justement, avait trois axes sur le plan de l'agriculture notamment. Il y avait le projet agricole pour permettre la lutte contre l'exode rural à travers les services civiques nationaux de développement qu'on avait confié au colonel Etondé Ekoto dans le problème de Yabassi Bafan. Il y avait le deuxième projet concerné, était dans les plaines du Mbo, à Santou,
Vous avez entendu parler qu'il y avait une riziculture là-bas. Mmh. Et le troisième, c'était la plaine d'Emboso, c'est-à-dire dans le département de Lambui et de Ndongamantoum. Mmh. Mais sauf que même le financement était là. Lorsqu'on confie ce département ministériel de l'agriculture à Samuel Lebois, le président Biya, qui règle ses comptes avec le président Ahidjo, parce que lui étant président du parti, Amadou Ahidjo, Paul Biya, président de la République, qui devait gérer le pays. Mm-hmm. Bon, au lieu d'amener l'établissement à faire une bonne différence, on a commencé à imaginer des choses, notamment il balaie d'un revers de la main, ou alors il annule tous ses projets de l'agriculture et il ne propose rien à la place. Mm-hmm. Voilà dans quelle situation nous nous sommes trouvés. Dans la navigation à vue. Oui. Ça s'est passé samedi d'ailleurs, hein, ce qui est rare. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il fait un remaniement ministériel samedi le 18 juin 1983. Donc et en août, il crée, parce qu'on était, nous on avait 7 départements, vous en avez, et nous on avait 7 provinces, vous en avez 10. Mm-hmm. On avait, je pense, 42 départements, vous avez 58. Il les a créés le 22 août 1983. Donc en l'espace de 2 mois, le président Biya a tout chamboulé. Mm-hmm. Et malheureusement, nous avons commencé la navigation à vue. Mm-hmm. Même le centre universitaire de Tchang, qui formait les ingénieurs agronomes, on ne sait pas. Il y avait une école d'agriculture ici à Dibombari, fermée. Une autre en Balmayo, fermée. Et on s'en suivra ce que Charles Amel a dénoncé avec raison. Midevive, Crédit Agricole, l'OSBB, Fonader. Mmh. Voilà, tous ces contenants sont contenus d'une vacuité affligeante. Absolument. Alors, donc, au final, on se retrouve dans un pays où l'autosuffisance alimentaire. Voilà, justement, parce que, il faut le dire, le centre universitaire de Tchang et les écoles dont j'ai fait allusion devaient former les techniciens jusqu'au grade d'ingénieur. Mmh. Et le centre universitaire de Ngaoundéré avait donc à former les techniciens au niveau de la transformation de l'agro-industrie. Parce que quand vous entendez, j'entends souvent, oui, ma fille tendance à parler de Kossam. Kossam, c'est le nom que devait porter le lait camerounais. Ah, le lait Kossam. Le lait Kossam. Or, il y avait même le Nobiono dans ce projet. Bon, d'accord. Mais il a mis tout ça. Il faut demander aussi. Il faudra s'interroger là un jour, Charles Amel. Et Amadou Ahidjo, comme il est là, il faudra qu'il nous donne des explications dessus. Alors, Charles, en une minute, vous réagissez, puisqu'on va également rendre hommage ce matin à Joe Massou, c'est important. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Il faut dire que l'idée du commis agro-pastoral naît à Baham, plus précisément au quartier Kouaptam, pour ceux qui ne le savent pas. Le docteur Maïkano Abdoulaye était stagiaire à cette époque à la station zootechnique. Bon, il y a encore des témoins. Et l'un des instigateurs, c'était le docteur Le Corbella de nationalité française. Enfin, M. Rifokoussi, les planteurs de Baham ont exprimé leur mécontentement concernant la surproduction agricole. Ils avaient cette en surproduction parce que le gouvernement les avait demandé de produire, ils ont produit. Et ils demandaient, le reste, là, on fait quoi de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où nom Manuel Refouapon Ismaïla, le créateur. Le nom Manuel Fouapon Ismaël, il faut retenir ça. C'est le créateur, celui qui lance l'idée du commis agro-pastoral. Nom Manuel Fouapon Ismaël, il est de Fouman. Donc c'est là où le gars commence à dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il va voir le docteur Le Corbeil, qu'il envoie rencontrer le docteur Maïkano Abdoulaye. Ils vont rencontrer le sous-préfet, le préfet. Finalement, l'idée grandit et on dit ok, organisez quelque chose. Et ils se retrouvent à Bafoussam où tous les différents commerçants d'une idée partout sortent avec leurs produits. C'est là où part le premier commis. Lorsqu'Aïdio apprend, il dit mais c'est pas possible. C'est une bonne idée si ça peut rassembler le monde agricole. Voilà comment l'idée est épousée. Et il dit, ça va nous permettre, en respectant les principes des plans quinquennaux, de développer zone par zone. Allez à Marois, vous allez voir. Allez à Marois, vous allez voir. Allez à Ngaoundéré, vous allez voir. Bertois, c'est le commis qui a développé. C'est le commis qui a développé Bertois. Le principe de rotation. Alors, et c'était l'idée, d'ailleurs, de faire en sorte que lorsque le commis arrive dans une ville, qu'on puisse construire ces infrastructures, qu'on puisse mettre en place un certain nombre de choses. C'est ce qui permettait d'ailleurs de désenclaver certaines parties du pays. Mais finalement, des choses qui se passaient, un commis qui se passait régulièrement, s'est retrouvé à avoir une date incertaine. Monsieur Rico, une fois le président Paul Biya au pouvoir. Avant, dans tout le discours d'Aïdjo commençait, avant, il y avait l'or noir, il y avait l'or vert,
Après l'or noir, il y aura l'or vert. C'est par ça qu'il commençait tous ses discours. Pendant les promesses, tous ses discours. Avant l'or noir, il y avait l'or vert. Après l'or noir, il y aura l'or vert. Monsieur Elfopoussi, le Cameroun importe pour 600 milliards de nourriture l'année. 600 milliards. Les importations de riz sont passées de 330 000 tonnes à 480 000 tonnes, 45%. Les importations de maïs sont passées de 2 000 tonnes à 23 000 tonnes, 1050%. Les importations de lion sont passées de 1750 tonnes à plus de 4500 tonnes, 157%. Les importations de lait sont passées de 14 000 tonnes à 16 000 tonnes, soit 14%. Les importations d'huile raffinée sont passées de 41 000 tonnes à 50 000 tonnes, soit 21%. Les importations de poissons sont passées de 150 000 tonnes à 218 000 tonnes, soit 40%. Les importations de pâtes alimentaires sont passées de 4 600 tonnes à 14 000 tonnes, soit 204% d'augmentation. Les importations de blé sont passées de 279 000 tonnes à 395 000 tonnes, soit 41% d'augmentation. Vous comprenez avec moi, beaucoup avec moi que si jamais on ferme le port, on est mort. Alors, on va prendre également la pensée de Karine sur le sujet de ce matin. Moi, je vais m'intéresser surtout à ce côté agricole qui a permis qu'on forme des personnes, ces ingénieurs qu'on appelle aujourd'hui des ingénieurs agricoles et tout, qui finalement se retrouvent dans des bureaux parce que la chasse au matricule fait en sorte qu'on libère les champs, on libère les plantations et même les plantations qu'on a héritées meurent. Pour entrer dans les bureaux parce que en fait le matricule va vous permettre de vivre longtemps et d'être toujours à l'abri du besoin selon eux. Et pourtant, avec cette technique-là, ces personnes avaient la possibilité non seulement de faire en sorte que leur plantation à elles soit un exemple pour leur communauté, mais d'amener leur communauté à investir dans l'agriculture. Parce que l'agriculture n'est pas juste un monde qu'on observe de l'autre côté. C'est un monde qu'il faut participer. Ça demande beaucoup de présence et ça demande beaucoup de spécialisation. Nous sommes dans un univers où il y a... L'agriculteur de maïs ne peut pas forcément faire dans les plantations de bananes. C'est pas la même chose. Parce qu'il faut une formation nette. Moi, je connais quelqu'un qui a fait, qui est ingénieur agronome, mais qui n'a pas pu tenir une plantation de tomates pendant un an et qui n'a pas produit. Donc, vous allez dans son champ, vous allez voir les petites tomates là qui n'ont même pas fait 3 cajots. Donc, ça ne donne pas envie même d'investir. Quand vous quittez de l'extérieur et que vous venez investir dans la plantation au Cameroun, si vous ne vous faites pas arnaquer par les propriétaires de terrain, vous allez vous faire buter par les papiers pour légaliser ceci et l'autre là. Maintenant, si on s'en tient même encore à la mort des coopératives agricoles dans, nos villages et autres qui existaient et qui faisaient en sorte qu'on arrivait à exporter le café et le cacao, ainsi de suite. On va voir que c'est mort et le prix du cacao, du café, plus il en monte sur le marché, plus les engrais aussi remontent. Comment vivre, faire vivre le planteur professionnel ou encore spécialisé dans ce genre de cas-là? Donc, on a beaucoup de questions qu'on se pose de ce côté. D'accord, merci Karine Sontia. Madame, monsieur, merci à vous de rester sur Equinox Télévision. L'émission, c'est le 10-12 de le Zénith. Hommage à Georges Massot, Jojo Massot qui nous a quitté hier et avec ce titre Lolita, un titre que nous aimons beaucoup. A tout de suite, donc. Sur ce plateau, madame, messieurs, en ce 31 octobre 2018, puisqu'on parle de ce missionnaire américain qui a été tué hier dans la région du nord-ouest à Mbambui, près de Bamenda. Donc, il a succombé à ses blessures après que son véhicule a été criblé de balles. On va dire que cette crise anglophone commence à faire beaucoup. Est-ce que ça va être un catalyseur, un élément déclencheur d'une certaine force qui va se mettre en mouvement pour qu'entre Washington et Yaoundé, les choses se mettent beaucoup plus en place et que ça puisse faire changer les choses avec Washington, puisque il s'agit là de la mort d'un missionnaire américain? C'est des questions que l'on pourrait se poser, et connaissant Donald Trump, on sait qu'il prend le plus souvent la parole sur Twitter de façon un peu ravageuse. Est-ce qu'il lui prendra la parole sur ce point? En tout cas, on va attendre et scruter ce qui se passe à la Maison-Blanche et pourquoi pas au Capitole dans les semaines qui arrivent.
Pour cette deuxième partie, madame, monsieur, vous l'avez sans doute remarqué, on rend hommage à Géo William Masso avec évidemment tous ses grands titres à succès. Lui qui nous a quittés hier et pour qui on a une vraie pensée ce matin, puisque l'artiste est immortel, c'est l'âme immortelle d'une nation qui reste présente dans nos mémoires de par, on va le dire, hein, l'éclat de sa culture, de par l'éclat de sa production musicale. Géo William Masso, à qui on passe donc nos sincères respects ce matin sur ce plateau du 10-12 Le Zénith. On va démarrer cette deuxième partie de l'émission avec quelques messages, madame, monsieur, que vous nous envoyez clairement à travers notre page 10-12 Le Zénith sur Facebook. Et donc, en réaction aux différents sujets que nous avons portés sur ce plateau depuis le début de l'émission, puisqu'on a parlé, comme vous le savez, à l'histoire du jour de cette femme qui s'est faite violenter ou qui a subi une violence conjugale et qui a appelé à la rescousse son géniteur qui est venu, qui est donc venu battre son époux et ça a suivi une répudiation. Est-ce que vous avez à dire là-dessus, mais également l'histoire, la colère de Charles Hamel portée sur la culture camerounaise qui est donc un vrai frein puisque personne ne voit les résultats et nous avons notre autosuffisance alimentaire. Alors, Karine Sontia. Alors, Constantine Tenda qui nous écrit sur notre page 10-12 Le Zénith. Je salue la sagesse des aînés qui illumine le plateau. En tant que femme, je connais notre longue bouche et grande gueule qui peuvent pousser un homme à battre sur la femme, même lorsqu'il s'agit d'un homme patient. La réaction du beau-père n'est pas appréciable. C'est même lui le voyou. La femme, connaissant que son père est un vandame, elle pouvait appeler sa belle-mère ou un proche du couple. Et puis, à quoi nous servent les témoins, parrains et marraines que nous choisissons lors de nos mariages? Juste pour financer. Le père a tort sur toute la ligne. Un message de Aurélie Takam. Boris Laminsi qui nous écrit « Rien ne justifie de lever la main sur une femme, même si elle le cherche. C'est un signe de faiblesse si vous cédez. » Bonjour. Merci Boris. Vous allez vivre l'expérience. Vous allez un jour. Et cette femme a commis d'abord. Sauf si, il s'appelle Boris. Sauf s'il fait partie de ces hommes qui se font battre dessus par leur femme. Parce que ça existe, hein. Les hommes qui se font battre par leur femme. Février 2017, ici à Bonadi, bon, c'est même les femmes du quartier se sont dit, non, je ne peux pas oublier ça. Un homme, il se faisait taper copieusement par son épouse, et c'est l'épouse qui pleurait. Quand les femmes du quartier se sont rendues compte, on dit non, ils ont rendu au chef du quartier. Et la femme est partie le 14, oui, le 14 février, pour revenir le lendemain. Je le sais, voilà. Et quand son mari veut parler, elle le met au sol et commence à le taper. À le rouer de coups. À le rouer de coups. C'est les femmes du quartier, ayant constaté que c'était un cas de récidive, ils sont venus rosser cette femme et demander à l'homme de divorcer. Et elles se sont portées témoins. D'accord. Alors, je pense que l'image que nous a rapportée ce matin Charles Hamel est l'image typique de l'origine d'une violence conjugale. Hein. C'est-à-dire que vous avez le self-control qu'il faut. Vous êtes en proie à une dispute ou à une brouille à la maison. Vous décidez de vous retirer un tout petit peu de la maison pour réfléchir calmement. Et on vous empêche de sortir. Quand tu pars où? Je te parle, tu pars, tu sors, tu Mais c'est aussi un manque de respect. Vous savez pas ce que ça fait quand... Voilà. Non, c'est un manque de respect. Si elle réagissait pas sur le plateau, quand tu causes avec un homme, il se lève. Quand tu causes avec un monsieur, il se lève, il sort. Ça veut dire qu'il ne te respecte pas. Non, il dit d'abord, madame, arrêtez comme ça. Vous dites, j'arrête quoi? S'il m'écoute, quoi va faire? Et c'est la raison pour laquelle vous sautez sur ses vêtements. Ça tend les nez. C'est comme si j'ai comme l'impression. Oui, maintenant, quand vous sautez sur ses vêtements. Ses vêtements, vous déchirez. Je vais vous montrer que ce qu'il dit est sérieux. Il faut que soit un peu sérieux. Et vous savez, monsieur, il faut. Je suis sérieux. C'est ce que l'homme aime. Parce que la femme ne fait rien pour rien. Si le vêtement, là, c'est un vêtement que vous aimez, que vous portez. Et tous les jours, on a dit le vêtement, là, un jour. Le jour à jour, la saison, c'est pas qu'elle annonce comme ça. Elle va sauter, braque.
Vous allez voir la beauté de ce vêtement qui parle d'attention. Zip. Ça, c'est. Et ça, je comprends les réactions parce que. Bon, on peut ce matin faire des théories sur il ne faut pas taper sur la femme, mais c'est clair que les contextes, aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y en a qui puissent sortir de leur gant. Monsieur, il faut que la bagarre est bonne. Mais davantage. Je vous dis, la bagarre est bonne. Dans le couple, la bagarre est bonne. Il paraît que ça resserre les liens. Ça resserre les liens. À des moments, il faut un peu se serrer. Et qu'après, c'est tout à fait beau. Regardez l'histoire de la femme. La femme est bien. La bagarre est bien, monsieur. Non. Il y a des femmes que je vous dis, si elle ne vous a pas attaqué. Donc vous allez voir les hommes qui restent, ils gardent le macabre de la femme. Elle attaque, il ne dit rien. Après la voix deux, trois. Elle commence à pleurer. Après les pleurs, c'est la bagarre. Après la bagarre, c'est la réconciliation. Tout va bien, monsieur Ripoposé. Ils sont de même prendre parfois une vie ensemble. Mm-hmm. On vous dit que c'est les deux là qui se lavent, tout le monde n'allait pas croire. Une autre femme peut même vous dire. Si mon mari ne me tape pas, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Moi, j'aime quand mon mari me tape. On t'a pas encore bien tapé. Moi, avant la personne que les injures. On t'a pas encore comme gogné. Voilà. Quand il envoie dans la femme. Alors, rapidement passer à la revue des réseaux sociaux de ce matin, puisqu'on a beaucoup de sujets qu'on va mettre sur la table ce matin. Donc, Karine Sontia, une fois de plus. On va passer à la revue des réseaux sociaux ce matin. Parler de Solange Emiliane Che, décédée au Koweït 10 jours seulement après son voyage dans les circonstances troubles. Cette jeune femme de 23 ans, mariée et mère de famille, a vu son rêve brisé face à la réalité de l'immigration. La dépouille a été rapatriée aux Cameroun hier et la famille a pu reconnaître la défunte, sauf que visiblement cette dernière aurait subi des mutilements. Mm-hmm. On va dire que, bon, Bengane, c'est clair que cette affaire hein, vient remettre au goût du jour parce qu'il y a seulement quelques semaines, on parlait encore de la petite Prudence qui est rentrée donc du Koweït. Et là, bim, on nous amène cette situation où c'est une Camerounaise qui a perdu la vie au Koweït. On est dans une configuration de jeunes Camerounaises menacées et esclavagisées au Koweït, mais on est dans une configuration tout autre. D'une jeune Camerounaise qui perd la vie au Koweït. Et elle perd la vie dans un contexte trouble, puisque on remarque que la dépouille qui est arrivée hier à Douala, elle n'a plus de langue. Ses mâchoires ont disparu. Donc on est clairement dans une configuration où il pourrait y avoir trafic d'organes humains. Donc un corps totalement mutilé. Quelles sont vos appréciations? La première, c'est l'abandon des citoyens par le gouvernement, par l'État du Cameroun. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre jusqu'à aujourd'hui où le ministre des Relations extérieures avait promis, je pense que c'était la date, c'était le 10. Le 10 octobre. Le 10 octobre. Mais au moins, entre la date de déclaration et la date butoir, c'est-à-dire le deadline, il y aurait quand même pu avoir, sur le plan diplomatique, je ne sais pas, policière et autres, des démarches pour pouvoir les protéger d'abord sous l'encadrement de notre représentation diplomatique à Riyad. Tout à fait. Mais on ne nous dit rien. Lorsque la première vague du gouvernement dit qu'il y en a qui ont récupération, d'accord. Mais vous qui n'avez pas là, on nous retourne. Et l'autre chose, mais peut-être la plus grave, c'est une femme mariée. Sa situation était devenue intenable au sein de la famille, qu'elle est partie se chercher ailleurs. Parce que le mariage est une protection pour un individu. Si on n'est plus protégé par le mariage, ça veut dire qu'on a touché le fond dans ce pays. Oui, absolument. Oui. Et c'est là où j'interpelle encore le pouvoir public. Au moins sur 3 axes principaux qu'utilisent tous les pays sérieux au monde. Nous avons la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Nous avons le réseau national des droits de l'homme, ici le REDAC par exemple. Le gouvernement peut les utiliser. D'abord, cette association qui est d'utilité publique, la commission et un organe d'État, pour pouvoir se déployer. Et le REDAC avec Amnesty International.
des relations au point où, même là où nous n'avons pas de représentation diplomatique accomplie, nous puissions avoir des associations de défense des droits de l'homme qui puissent remonter les informations à travers leurs réseaux. Mmh. Et en plus, les gouvernements sérieux également peuvent infiltrer ces réseaux à travers la police. Il y a bien les femmes dans la police et la gendarmerie camerounaise. Mmh. On peut les envoie en mission. On les envoie dans les mêmes réseaux. Et il y a un réseau qui appelle ici, voilà, à un moment, quand on vous amène en Algérie, voilà, on vous dit par exemple, laissez vos téléphones et tout. Puisqu'elles, elles sont formées. Mmh. Et au Maroc, quand on les arrive en Arabie Saoudite, comment on les débat? Elles ont des mots de passe qui se passent là-bas. Et c'est comme ça que la police, avec Interpol, va démanteler tout le réseau. Mais on ne fait rien. On vous dit seulement que Interpol est venu faire l'autopsie sur le Monseigneur Benoît Bala. Mais bon, Interpol ne peut pas nous aider à démanteler un réseau comme ça au point où on voit nos enfants tués. D'accord. Alors, il faut dire qu'elle est décédée le 30 septembre 2018, 10 jours seulement après être allée au Koweït. Si on sort 10 jours de 30 septembre, ça veut dire qu'elle est arrivée au Koweït. C'était un mauvais réseau. Elle est arrivée de trafic, tout de à fait. Elle est arrivée au Koweït le 20 septembre. Et souvenez-vous, le 20 septembre, c'est au moment où la vidéo de Prudence sort et où on est en train de parler de ces jeunes Camerounaises qui sont séquestrées, esclavagisées au Koweït. Mais elle a quand même réussi à partir et c'est son corps qui revient. Je voudrais dire ici que le Cameroun n'est pas un désert dans le monde. Le Cameroun n'est pas un pays unique dans le monde. Le Cameroun vit avec d'autres pays sur le continent africain. Je rappelle que le Kenya, il n'y a pas plus de 48 heures, le Kenya a envoyé tout un ministre plein, pour parler comme au quartier, qui est allé au Koweït, aller prendre les Kenyans du Koweït pour amener à Nairobi au Kenya. Voilà. Voilà, ils ont pris la peine de le faire. Absolument. Il est inadmissible que depuis qu'on parle de l'affaire de ces filles au Koweït, que l'ambassadeur du Cameroun à Riyad, à l'Arabie Saoudite, parce que le Cameroun n'a pas d'ambassade au Koweït ni au Qatar, donc l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite couvre le Qatar et le Koweït, il est inadmissible que ce monsieur, n'ait pas été convoqué à Yaoundé pour qu'il explique ce qui se passe par rapport à ces jeunes Camerounaises qui sont séquestrées et aujourd'hui dont les organes sont vendus partout dans le monde. Donc c'est un scandale d'État. L'élection présidentielle est passée, il est temps qu'on revienne à la réalité et qu'on se rende compte de l'abandon, de la démission totale de l'État, de ses missions. La mission régalienne de l'État, c'est de protéger ses citoyens. On a vu tout un président quitter Paris pour venir à N'Djamena, prendre des citoyens français de l'arche de Noé. Oui, à l'époque, étaient des brigands. Un brigand ou pas un brigand. Tant qu'il est Camerounais, il reste un Camerounais. Et l'État doit le prison camerounaise. Quand on parle de ce point, vous analysez tout ce qui se passe. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai envie de vous répondre en disant quelle est la vision de ce gouvernement. Mater les opposants. Quelle est la vision de ce gouvernement? Vous pourrez répondre. Quelle est la vision mater, de ce gouvernement? Mater l'opposition. Militariser. Aucune militariser vision. Les carrefours de Douala et de Yaoundé, même quand la guerre soit à 11%. Mmh. Oui, jusqu'à présent, il y a les gendarmes qui sont à tous les carrefours. C'est mater l'opposition dans les droits. Vous avez la réponse, monsieur Eric Fopoussi. C'est jeune gendarme. Monsieur Eric Fopoussi, je tiens à vous préciser que chaque fois qu'il y avait eu des problèmes, les ambassades sont considérées comme des territoires et c'est la raison pour laquelle tous les États dépensent une fortune pour prendre pratiquement des châteaux comme ambassade, se disant que dans le cas où ça ne va pas, l'ambassade est le seul lieu où tout enfant peut se réfugier. Mais la différence chez nous, c'est que les ambassades sont occupées par les membres de famille de ces grandes pompes du régime. Allez, on va voir l'ambassade du Cameroun en France, où on dépense 100 millions chaque mois. Il n'y a personne dedans, c'est les membres de la famille de ces co-responsables. On fait voyager les filles comme représentants, membres des représentations consulaires, des petites amies qui vont occuper les ambassades du Cameroun. Ça, il faut le dire, monsieur, il faut possible. Les ambassades sont pleines, sauf des véritables Camerounais
mais les membres de ces régimes, qui n'ont rien à faire dans ces ambassades, ce sont eux qui sont dans les ambassades. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, c'est qu'au lieu que les ambassades soient là pour gérer les affaires courantes des citoyens, elles sont plutôt là pour polir l'image. Si on vous donne les chiffres faramineux que certains ambassades versent à certains lobbying, vous n'allez pas croire, monsieur Eric Fopoussi. Et je viendrai, je vous le rassure ici, là, avec les montants, pour ce qui est des États-Unis et de la France, des montants qui sont versés à certains lobbying. Vous ne croirez peut-être pas, monsieur Eric Fopoussi, mais c'est la réalité. Voilà le jeu des ambassades. Voilà les Camerounais. Qui a réceptionné le corps? Qui a réceptionné le corps? Et pourtant, il y a une autre communauté. La famille dit que le gouvernement n'a dépensé aucun franc CFA. Non, je dis, monsieur Eric Fopoussi, je parle du Koweït, je ne parle pas du Cameroun. Qui a réceptionné le corps? Le corps a été ouvert de la tranchée au niveau de la roche jusqu'aux parties intimes. Ça suppose que les reins n'en ont pas. Ça suppose que l'utérus n'en a pas. Ça suppose qu'on l'a vidé même d'une partie de ses troncs, monsieur Eric Fopoussi. Pourquoi faire? Voilà quoi qu'il a. Je voudrais qu'on revoie la jeune femme là, parce qu'elle est très... c'est une pleine de vie. Quand tu dis de la trachée, on va tout enlever, elle est ma foi. Mais oui, il faut qu'on comprenne. C'est une jeune Camerounaise pleine de vie, 23 ans. Voilà une qu'on a libérée complètement. Ça suppose que le cœur, il n'y a pas. Ça suppose que les poumons, il n'y a pas. Alors pour pouvoir dire cela, ça veut dire qu'on a fait des examens médicaux, qu'on s'est rendu compte qu'elle n'a pas un certain type de maladie, qu'elle est compatible avec certains réseaux, qu'on a pris le temps d'enlever pour le faire. Combien? Moi, je ne m'intéresse pas au cas de chez Solange. Chez Solange, c'est celle qui est venue démontrer tout le réseau qui est en train de se passer derrière. La partie combien d'autres chez Solange sont tombés ça et dont le jeune Bella ne s'est pas intéressé. Voilà la réalité de ce pays, monsieur. Et d'ailleurs, il faut qu'on le dise, au moment où il y a la vidéo qui sort des jeunes femmes, le jeune Bella, par ailleurs ministre des Relations Extérieures, est en campagne dans le Mungo. C'est Félix Mbagnou qui signe le communiqué là. Le ministre est en campagne. Des Camerounais souffrent au Koweït. Le ministre est en campagne. Et c'est un ancien ambassadeur. Lorsqu'il revient, au lieu de s'intéresser au cas ponctuel, c'est plutôt le cas de... On demande aux représentants consulaires de mater les exercices dans les différentes représentations consulaires. Quand tout est en mabattre, on ne s'intéresse pas au véritable problème. Voilà un problème comme celui-là où tous les Camerounais. Et c'est là où j'ai dit c'est grave. Ce gouvernement ne se rend pas compte que les Camerounais aujourd'hui sont en train de se solidariser, la solidarité est en train de renaître et c'est en train de nous amener très loin. Voilà les jeunes Camerounais qui m'ont combien de fêtes? Combien de fêtes chaque jour? C'est un vaste réseau. C'est un vaste réseau. Je vous ai dit, c'est un vaste réseau qui part de l'aéroport de Douala. C'est un vaste réseau qui part de l'aéroport de Douala jusqu'au Koweït. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des facilités au niveau de l'aéroport. Comment ces filles arrivent et réussissent à traverser? Comment est-ce qu'elles vont jusqu'à cet embarquement? Comment ajouter dans l'avion? C'est tout un réseau, monsieur, il faut pousser. Parce que le visa pour le Koweït ne se donne pas ici. Bien sûr. Alors, vous comprenez qu'on sorte un peu de nos gonds parce que humainement, c'est invivable, c'est inimaginable parce que à l'heure où on parle, il y a des familles qui sont inquiètes parce que leurs enfants ont pris cette route du Koweït et que peut-être ces familles ne verront plus jamais le corps. Pas le corps, monsieur Eric Fopoussi. S'ils ont un vrai chef de famille qui n'acceptent pas le corps, ils vont déposer le corps devant le ministère des Relations Extérieures. Non, ils l'ont déjà fait et c'est déplorable et c'est dangereux parce que jusqu'à maintenant, il est 11h passé de le temps que je regarde la montre, il est 11h passé de 22 minutes. Aucun communiqué de ce gouvernement. Vous avez oublié le Maroc. La dernière fois, j'ai parlé du Maroc. Jusqu'à présent, les gars, depuis que j'écris, les enfants là ne réagissent pas. On les a seulement brûlés là-bas, je ne sais pas. Les Camerounais qui disent qu'on a confisqué au Maroc, on leur demande de rentrer, on les malmène là. Non. Depuis que j'écris, personne ne répond. Où ils sont là, tous morts, je ne sais pas. Au dernier nouvel mot, tu m'as dit que c'est le représentant de quoi au Maroc, des Camerounais, que c'est le chef. Attends. Le représentant des Camerounais au Maroc qui donne l'autorisation qu'on doit leur rapatrier. Je ne suis pas un truc comme ça. Depuis là, j'ai écrit, personne ne réagit. Ils sont là. Toujours, je ne sais pas. On a bien envie de se poser la question de savoir oui, Karine, où se réfugier lorsqu'on est à l'étranger. Surtout pas dans les ambassades. Parce que, en fait, l'ambassade est reconnue comme étant le lieu de refuge des citoyens lorsqu'ils sont dans un pays étranger. On regarde souvent dans les films comment, même en situation de guerre, on ne touche pas les ambassades.
si un Camerounais étant de l'autre côté ne peut pas aller se réfugier dans son ambassade, où est-ce qu'il pourra se réfugier plus tard? Alors, il y a les consulats et tout. Mais Karine, on a ce Suisse-là qui était venu abattre ses enfants. Il dit, bon, oui, abattre ses enfants. Au moment où il savait qu'on devait être tranquille, là, à l'ambassade. À l'ambassade de Suisse, oui, oui. Et là, c'est passé inaperçu. L'affaire est morte comme ça. Ouais, l'affaire est morte comme ça. En fait, on veut nous faire croire que, en fait, ce sont des personnes qui sont allées de leur propre gré et elles sont responsables de ce qui leur arrive. Moi, je m'inscris en faux dans cette façon de croire-là. Parce que quand vous interrogez les Camerounais, ils vous disent qu'elle est allée là-bas faire quoi? Mais non! Il s'agit d'une mère d'enfant, d'une femme qui a laissé ses enfants pour aller se chercher. Elle se cherche là-bas pourquoi? Est-ce qu'on a dessiné ce pays comme l'Eldorado? Encore que ces gens-là savent bien vendre l'image de leur pays. Nous, on n'arrive même pas déjà à vendre l'image d'une ville. Combien de fois l'image d'un pays? Alors, on se retrouve... En passant, même on a interdit le spot publicitaire qui passait, la fière d'être Camerounais. On a interdit ça sur les chaînes françaises. Voilà. Maintenant... On ne veut plus ça. Puisque nous sommes dans une situation où il faut à tout prix sauver la face. Parce qu'on a affaire à des gens qui ne sortent que pour des discours. On n'a jamais vu ces hommes-là de l'autre côté qu'ils aillent au Koweït et visitent ces endroits où on case ces filles. Parce que lorsque la vidéo est sortie le 20 septembre dernier, tout le monde se disait, elles font quoi tous dans un camp, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais personne n'a voulu savoir qui est parti les regarder là-bas, qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas besoin de déplacer un ambassadeur pour son pays d'origine pour qu'il explique les faits. Ça ne se fait, c'est très difficile à faire parce que ce n'est même pas faisable, ce n'est pas normal. Vous êtes dans un pays, on suppose que vous êtes Camerounais et vous êtes là-bas pour les Camerounais de là-bas. Il est inadmissible. Côté, vous n'avez pas à expliquer ce que les gens vivent de l'autre côté et que vous deviez vous déplacer pour le faire. Comme on reste. Qu'ils devaient vivre les faits et nous apporter les résultats en images. Quelle est l'évolution de la situation jusqu'à présent? On ne sait rien. On est parti au shelter. On reste dans ce shelter. J'ai vu comment elles vivaient. J'ai vu les conditions de ces jeunes filles qui sont dans la rue, qui souffrent, qui se font cela. Vraiment, je pense qu'il est urgent. Il est urgentissime que ces filles soient rapatriées. Voici les images. Voici les faits. Je me lave les mains. Mais on doit convoquer l'ambassadeur du Koweït au Cameroun au palais de l'unité. On doit convoquer ce monsieur. Oui. L'ambassadeur du Koweït au Cameroun. Si c'est un consul, c'est un ambassadeur, mais qui vienne. Non, mais comment vous dites non? Non, j'ai dit normal, c'est une guerre diplomatique. C'est simple. Mais il connaît une pays par rapport au fonctionnement. La réalité, vous ça. Monsieur le jeune Belam Bela, lorsqu'il est ambassadeur en France, abritant le service de l'ambassade était tombé en ruine. Il lui arrivait même de ne pas pouvoir payer et régler les factures d'eau, l'électricité et tout. Il y avait les souris. Et puis Saoudite, on ne lui donne même pas les moyens. Tout à fait. Voilà. Alors, j'entends beaucoup de gens se laisser aller avec le tribalisme. Je veux dire qu'au Cameroun, il n'y a que deux tribus. Il n'y a que deux tribus au Cameroun. Comme on sait ces histoires, on dit l'Ouest. Non, c'est fini. Non, mais attendez. Si ça avait été l'enfant d'un monsieur de ce régime au Koweït, vous auriez vu le déploiement qu'on aurait fait. C'est parce que d'un non-aime, l'enfant d'un pauvre, vraiment dans un pays, lorsqu'on a la charge d'un pays, lorsqu'on a la charge d'un État, de tous les Camerounais, quel qu'ils soient. Qui fait partie de la petite qui est 10 jours après qu'elle soit partie, elle décède. Donc ça veut dire qu'on l'attendait là-bas. Oui, oui, c'est un mauvais réseau, tout à fait. C'est seulement sans compter les cas qu'on n'a pas encore vu, qu'on ne connaît pas. Je dis qu'il y en a plein. Il y a plein de cas. Des familles, même, ont déjà fait le deuil de ces enfants qui ne donnent pas signe de vie. Depuis des années, les familles ont déjà fait le deuil. Faites un tour, vous allez à la frontière entre la France et l'Afrique, la frontière Afrique-France, vous allez voir Espagne, vous allez voir, il y a plein de gens qui sont de ce côté, qui sont dans un état. La maladie, des maladies très compliquées qui sont mortes. On va passer à autre chose ce matin. Karine. Un communiqué de presse rendu public hier par le maire de Loum qui fait
par les déclarations de Joshua Ossi, candidat à la présidentielle du 7 octobre dernier. Il s'insurge ainsi contre le message de félicitations adressé au candidat Paul Biya, vainqueur du scrutin présidentiel, parle d'un acte irresponsable et appelle à la destitution de son poste et la radiation de ce dernier du parti. Mmh. Voilà, surtout que dans le communiqué qui est attribué au maire de Loum, il a mal écrit le nom de son camarade de parti. Et deux fois. Donc c'est un communiqué truffé de fautes qu'il envoie là. Mais je vous ai dit que c'est là les pas, monsieur. Non, attention. Non, même le candidat de l'histoire française et premier vice-président de la Chalamel. C'est encore plus grave. Parce qu'il est maire d'une ville au Cameroun. Vous accompagne. On a vu des textes même ministériels où on écrit mal les noms, non? Nous, on a commencé à dire sur le bateau. Non, c'est pour dire que c'est exprès. Je pense que ce maire fait partie de groupe qui a, j'allais dire, qui n'a pas voulu soutenir, j'allais utiliser un mot compliqué, qui n'a pas voulu soutenir la candidature de Joshua aussi. Parce que dès la convention qu'il a investie, il y a eu un groupe de militants qui ont dit non, t'es contre. Malgré l'intervention personnelle de John Fundi, ce groupe ne l'a pas accompagné dans la campagne. Et ce groupe même se disait, ils avaient même peur en disant, s'il fait un bon score, un score plus honorable que ce qu'a fait Fundi, il va prendre les ailes. Donc faisons tout pour l'empêcher d'émerger. Ça se voit puisqu'ils sortent les couteaux là maintenant. Voilà. Il y a un ex-samedi, il aurait pu le dire là-bas. C'est des choses internes, il aurait pu lui expliquer honnête. On l'a dans leur net qui va se réunir samedi à Yaoundé. L'autre chose, quoi? Mais Joshua, il va faire le bilan. Il va faire le bilan. Quand il a été investi, voilà, il va faire le bilan et tout. Et on sait également qu'il y a une bonne partie du fief du SDF qui est constitué du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral et de l'ouest. Mais il a des élus partout ailleurs, c'est vrai. Mais c'est d'abord ça sur les quatre régions. Mais dans deux de ces quatre régions-là, sont en situation de crise depuis 2 ans. Absolument. Et on ne peut pas se leurrer là-dessus. Donc, si le SDF a perdu de l'aile pendant la campagne, le parti doit savoir comment reprendre du poids de la bête pour se revigorer, c'est tout. D'accord. Oui, Charles. Alors, moi, je pense que M. le maire d'Iwambo, si ce texte est véritablement de lui, cette lettre est véritablement de lui, est tirée à côté. Pourquoi je dis à côté, elle est très mal placée, c'est une sortie. Ça, il faut le dire. Pourquoi? Parce que on dit généralement, M. Eric Fopoussi, que vous pouvez être dans une maison, si vous ne vous entendez pas, cela ne vous donne aucun droit de laisser qu'on frappe votre frère ou votre soeur dehors, sans que vous ne sortiez agir avant de rentrer, continuer vos inimitiés à l'intérieur. Oui, absolument. Donc, je pense que, et je crois que, et je vais poser l'idée de Mbombo, que ce sont eux qui sont responsables de la débâcle du SDF dans le Mungo. Parce que rappelez-vous que lorsque Joshua aussi a fait une descente dans toute cette zone, il était pratiquement abandonné par tous. Joshua aussi, à moins qu'il y ait des inimitiés aussi profondes et fortes, prêtes à en découdre avec Joshua aussi, qu'on l'a littéralement abandonné. Vous vous rendez compte que Joshua aussi est parti des vidéos, photos. Si vous avez suivi la campagne, il est parti des vidéos, on a commencé par monter, filmer toutes ces campagnes, et à la fin, on a fini avec les photos. C'est-à-dire, on fait un reportage sur quelqu'un, on finit avec les photos, c'est de montrer que ce gars-là... Mais est-ce que ce maire, à travers ce communiqué, n'est pas en train de provoquer son exclusion du SDF? Parce que c'est une faute grave, ce qu'il a fait. Justement, ça peut se retourner contre lui, voilà, oui, effectivement. On va voir son implication en tant que... Surtout que à Loum, le SDF a pris une déculotée. Donc, est-ce que, comme le disait Mbombo, il ne fait pas partie justement de cette équipe de personnes. D'accord. Dont l'objectif était de tout faire pour que je sois aussi pas le SDF. D'accord. En tout cas, on a appelé Joshua aussi hier, juste après son communiqué, qui nous a dit qu'il ne répond pas à ça. Il a autre chose à faire, il n'a pas à aller répondre à ça, c'est une affaire personnelle qu'on lui fait. Il a un rapport à présenter au net. Il est au-dessus de la mêlée. Je lui donnerai le conseil, je dirais à Joshua aussi d'être très amer parce que jouer. Attends,
Non, acté n'est pas validé. Il a absolument la victoire. Justement. Il a pris acte de la victoire. Mais les gens ont transformé en disant qu'il a reconnu la victoire. Acté la victoire. Acté n'est pas validé. Moi, vraiment. Il a acté. Absolument. Oui, il a acté la victoire. Sur la polémique concernant la lettre de félicitations du président français à son homologue camerounais contacté par Check News, l'Élysée confirme pourtant l'authenticité de la lettre. On précise qu'elle n'avait pas vocation à être rendue publique, et ce qui explique qu'on ne la trouve nulle part. Voilà, cette fameuse lettre qui fait l'objet, hein, on va dire, d'une vantardise de la part du compte Twitter et du compte Facebook du président Biya. Je ne sais pas pourquoi dans ce pays on a toujours besoin d'agiter un communiqué venu de la France pour se trouver une légitimité. Est-ce qu'on se rappelle encore de l'ex-puissance coloniale? Mais si, il faut le saut de la métropole. Vous en êtes sorti quand tout le monde est mobilisé, chacun. Mais attendez, mais chefs d'État africains, les chefs d'État de la CEMA veulent se réunir à Malabo. Un coup de fil vient de l'Élysée en disant annulez votre réunion là. Macron, c'est un jeune président, il peut le petit fils du président Paul Biya. Mais il n'a pas inventé, c'est un petit président. Mais justement, il est donc le patron de Paul Biya. Monsieur Eric Fopoussi, il vous montre donc que c'est lui le patron. Il y a lieu de s'interroger véritablement sur la nature de cette lettre. Pourquoi? Lorsqu'on essaye de prendre les signatures, les différentes signatures, on voit la formulation graphologique de cette signature. Ne me dites pas que vous êtes graphologue. Parce que depuis justement hier je vais faire un nouveau métier. Quand on voit la matière, ou si vous voulez, toute la calligraphie qui est mise dans cette signature, on se rend compte à suffisance que soit... Il était hésitant, Macron, quand il est signé, parce qu'il y a une petite rature au niveau du cornet, ce petit cornet. On se pose la question justement à ce cornet. Lorsque vous prenez d'autres signatures, ce n'est pas pareil. Est-ce que c'est véritablement Macron qui a signé? Telle était la question. La deuxième, c'est qu'on n'a pas vu les sceaux. Regardez, voilà, vous voyez, c'est oui, sans entête. C'est sans entête. Il n'y a pas des entêtes, il n'y a rien. Mais l'Élysée dit que... J'en viens avec ce qui n'est pas censé. Mais il faut qu'il produise la bonne lettre. Pour combattre, il faut qu'il produise la bonne lettre. La lettre a été saisie le 25 octobre, monsieur Fopoussi. Oui. La lettre a été saisie le 25 octobre, si vous regardez, et on l'a publié le 29 octobre. Je dis que l'Élysée n'avait pas l'Élysée ne voulait pas que... L'Élysée, ça c'est la bonne lettre qui a été envoyée au président. Non, ça c'est la bonne lettre. C'est la confusion. Non, cette lettre a été véritablement envoyée à la présidence camerounaise, mais sauf que l'Élysée ne voulait pas qu'on la rende publique. C'est une indication en interne, puisque entre les États, on se crie régulièrement. Tout ce qu'on s'échange n'a pas forcément vocation à être... Mais ce président Paul Biya et son compte Twitter, justement, pour se vanter, c'est ça le problème. Pour dire que parler encore... Que parler encore, la France m'a validé, c'est ça le problème. La France m'a adoubé. Non, je vous disais tout à l'heure que les cellules africaines de l'Élysée ont proposé ou ont admis que le président Biya allait succéder à Idjo depuis février 75 ici à Douala. Donc, toutes ces manœuvres-là, même lorsque Hollande arrive ici en juillet 2015, il lui dit, est-ce que vous ne pouvez pas préparer un successeur? Il lui répond à Hollande que non, on s'y prépare le successeur à la mort. On dit, mais Idjo, lui, il avait alors fait comment? C'est pour ça que vous voyez que ce soit Macron qui arrive, c'est qu'il y a des choses à la cellule africaine de l'Élysée. Et c'est ce que Gbagbo avait réfuté en disant, si vous de Jacques, comment on appelle son ami, comment on l'appelle, il disait que les décisions se prennent à Abidjan, au bord de la Paris, donc non, au bord de la Seine. Non, au bord de la Seine. Tout à fait. Donc, Guy Laverdi a expliqué, c'est ça en fait. Nous sommes encore quand même, dans cette quand même, c'est un désaveu tout à fait sanglant pour notre pays. Comment se fait-il qu'une correspondance qui est censée être privée, donc être secrète entre deux pays, se retrouve ainsi sur la toile, sur le compte du président de la République? L'Élysée dit qu'elle n'est pas censée, cette correspondance, être publiée. Oui, ça veut dire que le pouvoir de Yaoundé a un problème de légitimité. Oui.
ça veut dire, c'est clair. Comme à l'Élysée, vous avez validé, il faudrait que je commence à asseoir ma légitimité. Il faut donc rendre public. Et c'est pour cette raison qu'on l'a rendu public. Voilà. Voilà. Voilà dans quel contexte on se retrouve, madame. Monsieur, un pays indépendant, vraiment. Oui, parce que si on doit encore avoir besoin que la France puisse donner son, puisse se prononcer sur une élection présidentielle pour en ou son sceau, c'est que l'indépendance qui a été difficilement acquise en 60 n'est qu'une indépendance de facettes. D'ailleurs, demain, c'est le 1er novembre et on pensera beaucoup à Félix Olamide. Oui, Chalamet. Monsieur Erifo Poussi, tous les Camerounais attendaient, chacun disait que quand vous discutez avec quelqu'un, première question, est-ce que la France a validé? Les États-Unis ont dit quoi? Est-ce que l'Allemagne a réagi? Et voilà le discours. Et parfois même des personnes très insoupçonnables. Vous avez des personnalités, un député dit que mes gars, attendons. Attendons l'affaire là. Vous pouvez voir comme ça que la France n'est pas avec nous. Et le mal dans cette histoire, c'est qu'on fait tout pour prouver aux gens qu'il y a des forces extérieures qui sont en train de financer les campagnes des autres candidats. En fait, on veut nous faire croire que le mal se trouve de l'autre côté, et pourtant tout le monde a bien les yeux pour voir qu'en fait, c'est nous qui nous faisons materner chaque jour. Mmh. On refuse d'accepter que nous sommes indépendants parce que non seulement on importe tout de ce côté, mais aussi on envoie tout ce bien de l'autre côté. Du coup, ça rend un peu très, très... Ça rend moins légitime déjà le pouvoir de ce côté. En fait, cette année, on pense que les Camerounais pensent que l'élection ou encore la finale de l'élection cette année a été moins légitime que les autres années. Oui. Parce que l'opposition de cette année a été très affirmée et jusqu'aujourd'hui, personne n'est resté calme dans ce sillage-là. Donc, c'est normal que de l'autre côté, on essaye de s'en féliciter parce que papa a dit... Oui. Voilà. Oui, la France paternaliste, la France-Afrique, dont on dit tous les jours rompre le cordon ombilical et qui reste tout à fait présent, collé au corps à la même matière, hein, comme si on voulait têter. Madame, monsieur, on va tout de suite prendre l'interpellation de ce matin. Mais monsieur l'ami, c'est à nous. En d'autres termes, faire valoir l'agriculture, ce qu'on a de plus chez nous. En d'autres termes, le Cameroun est riche de ressources naturelles. Mais moi, je pense qu'on ne valorise pas ça assez. Donc, ça ne sert à rien de miser sur les... On doit d'abord valoriser la nature. Quand on voit les grands pays du monde, les États-Unis, la France, tous ces pays, ils sont les... au max. Alors, qu'est-ce que moi, je propose? Je propose que... Je ne sais pas... instaurer des sites industriels. Je pense au sud, je pense à l'est. Le rural est encore bien profond. Pourquoi ne pas densifier les zones-là en agriculture? Les plantations, c'est en hectares. Imagine un peu qu'on a 100 hectares de cacao, par exemple. Automatiquement, importer et exporter, on aura une grande productivité. Et une grande priorité, c'est la quantité de biens et services que si tu produis en une heure. On a 100 hectares de plantes, on a 100 hectares de bananes, on a 100 hectares de canne à sucre. Mais automatiquement, il y aura la productivité. Et la productivité, c'est la production. En ce moment, le Camerounais, premièrement, pourront consommer pour eux. On n'aura plus faim. On va plus voir les villages ou les gens qui meurent de famine. Le Cameroun ne mérite pas ça. Alors, je pense que les autorités ne pensent pas à ça, en fait. Moi, j'ai fait un tour à l'est, à Batou, c'est le rural. Pourquoi ne pas utiliser la brousse à de bonnes fins? Pourquoi couper les billes de bois vango blanc? Ils vont utiliser les blancs, c'est vrai. Avec l'aide de la... à travers les blancs, utiliser ce qu'on a. Donc, c'est ce que je pense. Il faut changer les ministres et tout et tout et tout. Et tout. Bon, c'est aussi vrai, là ça passe par la bonne gouvernance. Ouais. Mais tout le monde, l'expérience montre depuis son... Parce qu'ils n'ont rien fait. Alors ils pensent peut-être que le président, je ne parle pas du sortant ou du gagnant, mais le président qui est là doit comprendre que pour être industrialisé, pour être moderne comme les gens le pensent, il faut valoriser la nature. Et maintenant, qui dit bonne agriculture dit tourisme. Qui dit bon tourisme dit industrialisation. Qui dit industrialisation dit modernisation. Modernisation dit mondialisation. Et en ce moment, on pourrait être fier d'être
le pays phare de l'Afrique centrale en fait. Avec ce compatriote, c'est que les Camerounais ont vraiment envie de parler, hein, ont vraiment envie de se décharger. Ils ont beaucoup à dire. on sent vraiment. Ils veulent se déchaîner, comme dit Tendance ce matin sur le plateau. Et lorsqu'ils ont la possibilité de s'exprimer sur un sujet, ils y vont vraiment totalement. Bon, Bengane, votre réaction. Oui, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut clairement expliquer à nos compatriotes. Notre banane ne nous appartient pas. Parmi les entreprises à liquider en 1990, on avait l'Office camerounais de la banane. Ça ne nous appartient pas. Deuxièmement, même notre sous-sol ne nous appartient pas. Mm-hmm. Il faudrait qu'on voit. J'ai vu quelques posts qu'on envoyait sur Internet en disant oui, mais parce qu'on n'a pas signé ici. Non. Le cobalt et le nickel du Cameroun ont été donnés aux Américains. Notre diamant a été donné aux Coréens. Et tout. Et on a empêché la Société nationale d'investissement, la SNI, il y a déjà eu une université technologique. Ce n'est pas le démembrement dont on a fait là, à l'Est et tout. Donc, notre sous-sol ne nous appartient pas, ne vous le répète. Ok. C'était la interpellation de ce 31 octobre 2018. On va prendre tout de suite Corsi Lamine qui est en plateau, au studio et au plateau B avec nous sur le plateau. Corsi Lamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Alors, nous allons bel et bien, en cette belle journée, hein, essayer donc de rappeler déjà qu'on a déjà un important arrivage sur nos poêles Red Copper et dès les prochaines, et vous aurez de temps en temps, les démonstrations dans cette émission. Voilà déjà notre plaque chauffante qui est déjà, voilà, elle est bien sûr en train, voilà, d'y avoir votre poêle. Il suffira tout simplement, nous allons une légère démonstration, voilà. La demoiselle va un tout petit peu mettre juste un peu de l'huile. L'huile étant, on a mis un tout petit peu d'huile dans la poêle, juste un peu d'huile dans la poêle, chère téléspectateur. Nous allons notre poisson. Voilà. Comment est-ce qu'on devrait utiliser la poêle Red Copper? Vous mettez juste un peu légèrement de l'huile à travers avec un pinceau. Tout simplement, avec un pinceau, vous essayez d'imbiber de l'huile dans la poêle Red Copper. Voilà, pas besoin de mettre assez d'huile, hein. Pas besoin de mettre assez d'huile. Et bien vouloir, quand la poêle a bien chauffé, vous prenez votre poisson que vous mettez à l'intérieur. Voilà, qui est d'ailleurs en train, c'est-à-dire de cuire. Voilà. Là, elle retourne le poisson. Vous voyez comment ça glisse là, ça ne colle pas. Le poisson ne colle pas du tout. Voilà, c'est donc là la grande part de cœur du salut des poêles Red Copper. Le poisson ne colle pas et quelques minutes après, votre poisson est prêt à la consommation. Bien entendu, voilà, il est toujours en train, c'est-à-dire ça ne colle pas. Voilà, on peut d'ailleurs le prouver aux téléspectateurs, voilà, ça ne colle pas du tout. Ça ne colle pas du tout, rien. Voilà, c'était donc là une légère démonstration. Nous reviendrons vendredi pour une grande démonstration. Question de permettre à tous nos téléspectateurs de toucher du doigt les réalités de la poêle Red Copper. Alors, à présent, nous allons donc parler des prix de cette poêle. Nous allons commencer directement par la poêle que vous avez, bien entendu, toujours à 14 000 francs. 14 000, votre magnifique poêle Red Copper, toujours disponible au magasin 1001 tapis. Les, voilà, 14 000 francs, votre poêle qui est de retour. Voilà, un important arrivage. Je rappelle que le prix n'a pas changé, c'est 14 000 francs. Magnifique poêle Red Copper qui ne colle pas, comme on peut d'ailleurs le constater un instant sur ce plateau. Voilà. Je rappelle qu'on est toujours en train de procéder déjà. Toujours, voilà. Regardez comment ça. Oh là 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 là. Voilà. Oh là là. C'est en train de faire des petits bruits là. Hein. Ça monte. Voilà. Regardez là. Regardez. Voilà. Toujours. Blandine, tu vas. Voilà. Tu peux montrer. Voilà. C'est en train. Oh là là. C'est en train. Voilà. Voilà. Donc là, ça ne colle pas du tout. Ça ne colle pas, regardez le poisson. Je rappelle, cette poêle, vous l'avez à 14 000 au magasin, 1001 tapis. À côté, bien sûr, de la poêle Red Copper, on a également nos paires de gants. Vous les avez bien entendu à 5 000, la paire de gants, toujours au magasin, 1001 tapis.
en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Et pour ceux des téléspectateurs qui ont besoin de l'ensemble de la poêle et des gants, vous l'achèterez bien entendu à 16 500 francs pour l'ensemble de la poêle et des gants. Toujours du côté du magasin 1001 tapis. C'est des poêles de qualité supérieure. C'est des poêles qui ne collent pas. C'est des poêles, on n'a pas besoin de mettre assez d'huile. C'est des poêles qui sont solides, qui sont durables. Vous les avez donc à 14 000 pour ce qui est de la poêle et 5 000 pour les gants. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble, notamment la poêle et les gants, vous achèterez ces deux articles de qualité supérieure au prix, bien entendu, de 16 500 francs. Alors que nous sommes toujours en train de vivre là, en direct sur cette émission, on est en train de faire frire un très bon bar. Voilà, regardez comment c'est en train de changer. Voilà, ça ne colle pas du tout. Hein. C'est donc l'occasion, regardez là, tu peux présenter au téléspectateur Blandine. Voilà, vous voyez là, vous voyez, ça ne colle pas. C'est ça la particularité des poêles Red Cooper. Également, ça donne un goût particulier au poisson. Ça donne un goût particulier au gâteau, un goût particulier aux œufs. C'est donc là, cette particularité, vous l'avez donc à 14 000 francs, cette poêle qui ne colle pas. C'est donc la démonstration en direct dans cette émission. Alors c'est l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs, de nous appeler dès à présent au numéro de... pour avoir votre poêle Red Cooper au prix de 14 000 francs et votre paire de gants au prix de 5 000 ou alors l'ensemble des deux, vous l'avez bien entendu toujours à 16 500 francs. C'est du côté du magasin 1001 tapis. On vous donne rendez-vous vendredi pour une autre campagne de communication sur la poêle. Mais déjà demain, jeudi 1er novembre, prenez rendez-vous avec le magasin 1001 tapis dans une grande promotion qui ne dira pas son nom. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h30. Merci infiniment. On va, madame, monsieur, basculer rapidement sur la suite de ce programme et prendre les messages que vous nous envoyez en direct sur notre page Facebook de ce matin, parce que il y a des sujets que nous avons normalement abordés sur ce plateau et j'imagine que vous avez réagi à tous ces sujets-là pour avoir chacun, en ce qui vous concerne, voix au chapitre. On a surtout parlé de cette jeune fille camerounaise qui est décédée au Koweït et dont la dépouille est arrivée hier au Cameroun, ici même à Douala. Dépouille qui, comme on vous l'a dit, est arrivée mutilée et il y a des organes qui n'y sont plus. Ce qu'on remarque, c'est que le gouvernement n'a donc sorti aucun franc CFA, aucun argent du contribuable camerounais, nos impôts, pour aider cette famille en détresse. Alors, Karine, on fait recours à vous pour quelques messages avant de partir. On a le message de Etina Michel qui nous écrit sur notre page 10-12. Le Zénith, bonjour, le panel, merci. Tu as tout dit, il y a deux tribus au Cameroun, la tribu des riches et la tribu des pauvres. Merci. Vraiment, le gouvernement camerounais nous a déjà vendus tous. Non plus honte, leurs problèmes, ce sont leurs biens qui leur intéressent. Nous ne laissons pas, nous ne laissons pas, ils iront au fond, vraiment. C'est pas bien écrit, le message. Aristide Junior Camden. On retient qu'au Cameroun, il y a deux tribus. Oui. La tribu des riches. Et la tribu des pauvres. Ils sont là-bas en haut, ils sont à l'aise. Et nous, les pauvres, qui nous divisons ici pour rien, ils ne sont pas là. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, parce qu'il faudrait leur dire que depuis les années 1954, que l'écrivain Mongo Betty, sa bourse avait été coupée. Et beaucoup de ses compatriotes à l'époque qui étudiaient, ils n'avaient été interdits de séjour. Et c'est d'ailleurs ce qui explique cette fameuse loi scélérate de 1968, parce que là... Vous dites scélérate? Oui. D'accord. Comment on appelle? L'Union des étudiants camerounais LUNET qui est en France avait un statut consultatif dans la commission de délivrance des bourses. Sa dernière mission au Cameroun date de 1967. Oui. À l'époque, c'était dirigé, il faut le dire, par Moukoko Priso, père à son âme, et comme vice-président Jean-Jacques Kidi. Docteur Bakan Batondi, ils sont donc en fait, Moukoko Priso. Voilà, beaucoup. Aujourd'hui,
c'est-à-dire les meilleures conditions pour tous les étudiants camerounais. Tout à fait. Quand ils arrivent, on les interdit de séjour. D'accord. Et on a donc fait cette loi pour les contraindre à ne plus venir. Donc, c'est pour justifier que... Mais on continuait toujours à parler de tribalisme alors qu'il n'y avait que deux tribus. Et je rappelle que le ont bénéficié des bourses dans ce pays. Mais quand ils viennent donc en 62, ils bloquent. Il y a un adage qui dit que tous ceux qui nous dirigent sont les personnes qui ont fréquenté gratuitement, mais qui ont rendu l'école plus chère que possible. D'accord. Absolument. Et quand ils rentrent donc, ils bloquent. C'est, ils ont donc transformé les services d'ambassade en lieu d'affichage. C'est-à-dire, Foposi, il défile souvent contre le régime. Donc, qu'il monte, qu'il descend, il ne va jamais prospérer à Yaoundé. On ne veut pas savoir si tu es Bamleke, Bassa ou voilà. Tu es où, tu défiles. Tu es avec Manga, vous défilez. Non, c'est là, il n'entre jamais. En tout cas, beaucoup m'ont dit que mon nom est bloqué à Yaoundé. Je leur ai dit que moi, je combats pour les pauvres. Donc, absolument. Voilà, c'est pas possible. Nous sommes dans le monde d'en bas. Voilà, Charles Abel qui, tous les jours, reçoit les menaces de non bloquer à Yaoundé. Ce sont des menaces qu'on nous fait tous les jours, mais on va dire que nous restons tout à fait zen et dire la vérité telle qu'elle se passe. Madame, Monsieur, merci infiniment. On se donne rendez-vous demain. 10 heures, que Dieu bénisse le Cameroun.